23 juin 1899. Louisa aperçoit le confesseur en compagnie de Jésus. Elle prie pour lui. Après que j'ai entendu la sainte messe et reçu la communion, mon aimable Jésus se manifesta dans mon cœur. J'ai alors senti que je quittais mon corps, mais sans la compagnie de Jésus. J'aperçus cependant mon confesseur, et puisqu'il m'avait dit « Notre Seigneur va venir après la communion et tu le prieras pour moi », je lui ai dit « Père, vous m'avez dit que Jésus allait venir, mais il n'est pas encore venu. » Il me répondit « C'est parce que tu ne sais pas le chercher. Regarde bien, car il est en toi. » Je me suis mise à chercher Jésus en moi, et j'ai aperçu ses pieds qui dépassaient à l'extérieur de moi. Je les ai aussitôt saisis et j'ai tiré Jésus vers moi. Je l'ai embrassé partout, et en apercevant la couronne d'épines sur sa tête, je la lui ai envelée et l'ai placée dans les mains du confesseur, en lui demandant de l'enfoncer sur ma tête. Il le fit, mais malgré mes efforts, il n'arrivait pas à enfoncer une seule épine. Je lui dis, « Poussez plus fort, n'ayez pas peur de me faire trop souffrir, car voyez-vous, Jésus est là pour me fortifier. » Malgré ses efforts répétés, il n'y arrivait pas. Alors il me dit, « Je ne suis pas assez fort. Ces épines doivent pénétrer dans tes os et je n'ai pas la force de le faire. » Je me suis tournée vers Jésus en lui disant, « Tu vois bien que le Père ne sait pas comment l'enfoncer. Fais-le un peu toi-même. » Jésus étendit les mains et en un instant, il fit pénétrer toutes les épines dans ma tête. Cela me causa une grande satisfaction, en même temps qu'une souffrance indescriptible. Ensuite, le confesseur et moi avons prié Jésus de déverser son amertume en moi, afin qu'il épargne les créatures des nombreux fléaux qu'il leur destine, comme cela semblait se passer à ce moment-là, car la grêle s'apprêtait à tomber non loin d'ici. En réponse à nos prières, le Seigneur en a fait tomber seulement un peu. Puis, comme le confesseur était encore là, j'ai commencé à prier pour lui en disant à Jésus, « Mon bon et cher Jésus, je te prie d'accorder ta grâce à mon confesseur, afin qu'il soit selon ton cœur, et aussi de lui donner la santé physique. Tu as vu comment il a coopéré, non seulement en retirant la couronne d'épines de ta tête, mais aussi en te laissant la placer sur ma tête. S'il n'a pas réussi à l'enfoncer dans ma tête, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas te soulager, c'est parce qu'il manquait de force, donc raison de plus pour que tu l'exauces. Alors dis-moi, ô mon seul et unique bien, vas-tu le guérir à la fois dans son âme et dans son corps ?» Jésus m'entendit, mais ne répondit rien. Je le suppliai encore avec insistance en disant, « Je ne te quitterai pas, et n'arrêterai pas de prier tant que tu ne m'auras pas promis de lui accorder ce que je te demande. » Mais il n'a encore rien dit. Ensuite, nous nous sommes trouvés en compagnie de plusieurs personnes assises autour d'une table en train de manger. Il y avait une portion pour moi. Jésus me dit, « Ma fille, j'ai faim. » Je lui répondis, « Je te donne ma portion. N'es-tu pas content ?» Il reprit, « Oui, mais je ne veux pas qu'on me voie. » Je poursuivis, « Eh bien, je ferai semblant de la prendre pour moi et te la donnerai sans qu'on s'en aperçoive. C'est ce que nous avons fait. » Au bout d'un certain temps, Jésus se leva, approcha ses lèvres de mon visage et se mit à jouer un air de trompette avec sa bouche. Tous les gens se mirent à pâlir et à trembler en se disant « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ?» Je dis à Jésus « Nous allons mourir. Seigneur Jésus, que fais-tu ? Comment se fait-il ? Jusqu'à présent, tu voulais passer inaperçu, maintenant tu t'amuses. Fais attention, arrête de faire peur à ces gens. Ne vois-tu pas qu'ils sont tous effrayés ? » Il répondit, « Cela n'est encore rien. Qu'arrivera-t-il quand soudainement je jouerai plus fort ? Ils seront tellement saisis qu'un grand nombre mourront de frayeur. » Je repris, « Mon adorable Jésus, que dis-tu là ? Tu veux toujours exercer ta justice ? Pitié, pitié pour ton peuple, je t'en supplie. » Alors Jésus aboura son air doux et bienveillant. Et moi, apercevant encore le confesseur, je recommençai à l'importuner à son sujet. Il me dit, « Je rendrai ton confesseur comme un arbre greffé dans lequel le vieil arbre n'est plus reconnaissable, ni dans son âme, ni dans son corps. Et en gage de cela, je t'ai placé entre ses mains, en tant que victime, afin qu'il puisse en bénéficier. » 25 juin 1899. Trois joies spirituelles associées à la foi.
Ce matin, Jésus a continué de ne se manifester que de temps à autre, en me partageant un peu de ses souffrances. Le confesseur était parfois avec lui. En voyant ce dernier et vu qu'il m'avait confié certaines de ses intentions, j'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait. Pendant que je le priais ainsi, Jésus se tourna vers le confesseur en disant « Je veux que la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux. Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi, qui possède tout, qui peut tout, et qui donne librement à quiconque a confiance en moi, sans même que tu penses à ce qui arrivera, ni quand cela arrivera, ni de quelle façon tu agiras. Je serai là pour te venir en aide selon tes besoins. » Il ajouta, « Si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, alors, pour te récompenser, j'infuserai en ton cœur trois joies spirituelles. D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu, et en faisant des choses saintes, tu seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie que tu en seras complètement imprégné. Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et de la joie pour les choses célestes. Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout et les choses qui exerçaient autrefois un attrait sur toi deviendront des embêtements. Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps. Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées, ces âmes dont le cœur est tellement rempli de mon amour qu'elles ne sont pas distraites par les choses extérieures qui les entourent. 4 juillet 1899. Savoir garder son cœur dans la paix. Ce matin, Jésus a renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion. Notre reine-mère était là, et à son sujet, Jésus m'a dit « Mon royaume était dans le cœur de ma mère, puisque son cœur n'a jamais connu la moindre agitation. C'est tellement vrai que, même dans la mer houleuse de la passion, alors qu'elle a supporté d'indicibles souffrances, et que son cœur fut transpercé par le glaive de la douleur, elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur. Ainsi, comme mon royaume est un royaume de paix, j'ai pu l'établir en elle et y régner librement, sans aucun obstacle. » Jésus revint plusieurs fois, et moi, consciente de mon état de pécheresse, je lui ai dit « Mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouverte de blessures et de péchés graves. Oh, je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis. » Jésus me répondit, « N'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché, mais il ne faut pas s'en troubler, car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. » Il ajouta, « Ma fille, comme moi, tu es une victime, que toutes tes actions brillent des mêmes intentions pures et saintes que les miennes, afin que, en voyant ma propre image en toi, je puisse librement t'inonder de mes grâces, et qu'ainsi ornée, je puisse te présenter comme victime odorante à la divine justice. » 9 juillet 1899. Jésus partage ses souffrances avec l'âme afin d'y continuer sa passion. Ce matin, Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Je répondis, « Oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. » À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Quelle douleur atroce j'ai ressentie dans mes mains et mes pieds, surtout que les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer. Mais en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, « Ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. » Ensuite, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre disant « Nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. » Qu'est-ce qui se passa sur la terre?
au moment de cette descente des saints? Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. 14 juillet 1899. Jésus ne quitte pas ceux qu'il aime. Ces jours-ci, Jésus se montre rarement. Ses visites sont comme l'éclair. Alors que j'espère pouvoir le contempler longuement, il disparaît rapidement. Si parfois il reste un moment, c'est presque toujours en silence. Et s'il parle un peu, dès qu'il est parti, il semble reprendre sa parole et sa lumière, de sorte que je ne me souviens plus de ce qu'il a dit et que mon esprit reste aussi confus qu'auparavant. Quelle misère! Mon doux Jésus, aie pitié de ma misère et sois miséricordieux. Sans vouloir m'étendre sur mes activités quotidiennes, je vais maintenant rapporter quelques paroles qu'il m'a adressées au cours des derniers jours. Je me souviens qu'à un moment où je me lamentais parce qu'il m'avait abandonné, il appela à lui de nombreux anges et saints et leur dit « Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que je l'ai abandonné. Expliquez-lui un peu. Est-il possible que j'abandonne ceux et celles qui m'aiment? Elle m'a aimé. Comment puis-je donc l'abandonner ?» Les saints étaient d'accord avec le Seigneur, et j'en restais profondément humiliée et plus confuse qu'auparavant. À une autre occasion, après lui avoir dit « À la fin, tu vas m'abandonner complètement », Jésus m'a répondu « Fille, je ne peux pas t'abandonner, et comme preuve de cela, j'ai déversé mes souffrances en toi. » Ensuite, alors que j'entretenais la pensée suivante « Pourquoi, Seigneur, as-tu permis la venue du confesseur ? Tout aurait pu se passer entre toi et moi. » Je me trouvais à l'instant même hors de mon corps, étendu sur une croix, mais il n'y avait personne pour m'y clouter. J'ai commencé à prier le Seigneur de venir me crucifier. Il est venu et m'a dit « Vois-tu comme il est nécessaire qu'un prêtre soit au centre de mes œuvres? Il est simplement une aide pour compléter ta crucifixion. En effet, on ne peut se crucifier soi-même, on a besoin d'un autre. » 18 juillet 1899. Comment Jésus hostie et l'âme s'attirent et s'attachent l'un à l'autre. Les choses se passent presque toujours de la même façon. Cette fois, il m'a semblé que Jésus hostie était là dans mon cœur, m'inondant de nombreux rayons provenant de la Sainte Hostie. Plusieurs fils sortant de mon cœur s'entrelaçaient avec les rayons émanant de l'hostie. J'avais l'impression que, par son amour, Jésus m'attirait à lui et que par ses fils, mon cœur l'attirait et le liait entièrement à moi. 22 juillet 1899. La croix rend l'âme transparente. Comment éviter le précipice? Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré, portant à son cou une croix en or toute brillante, qu'il regardait avec grande satisfaction. Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit « Les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de ma croix, à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. » Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « La croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections. À tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix ? Et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps, et je me suis trouvé au sommet d'un très haut escalier, sous lequel il y avait un précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacée jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches.
Je me suis donc engagé dans l'escalier, mais après deux ou trois marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit « Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres et en gardant les yeux fixés sur moi, afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. » 28 juillet 1899. La croix est la plus belle marque de noblesse que Jésus puisse imprimer dans une âme. Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc, et à l'autre, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit « La vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. » Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh, comme il en était affligé! Quelle perte pour ses âmes! Jésus ajouta, « Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. » Comme il est revenu plusieurs autres fois, je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit, « Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix ?» 30 juillet 1899. Ne pas juger son prochain. Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Nous avons rencontré une foule de gens, dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait, parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Ensuite, je lui ai dit, « Mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. » Alors nous nous sommes embrassés. Puis, comme s'il voulait me réprimander, il ajouta, « Ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. » 31 juillet 1899. Communication intellectuelle entre Jésus et Louisa. Jésus est revenu ce matin, mais en silence. Néanmoins, j'étais très heureuse, car tant que j'avais mon trésor Jésus avec moi, j'étais parfaitement satisfaite. Dès que je l'ai aperçu, j'ai compris plusieurs choses au sujet de sa beauté, de sa bonté et de ses autres qualités. Cependant, comme tout s'est passé dans mon esprit et par communication intellectuelle, ma bouche ne peut rien exprimer sur ces choses. Je garde donc le silence. 1er août 1899. Jésus affectionne les âmes pures.
Ce matin, mon très gentil Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait voir la corruption dans laquelle gît l'humanité. C'était horrifiant. Alors que j'étais au milieu des gens, Jésus, au bord des larmes, me dit « Ô homme, comme tu t'es défiguré et avili, je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant, mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes recouvertes de feuilles, avec leurs fleurs et leurs fruits, t'enseignent le respect et la modestie que tu dois avoir pour ton corps. Mais en perdant toute modestie et toute réserve naturelle, tu es devenu pire que les animaux, à tel point que je ne peux te comparer à rien d'autre. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifié par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée et m'oblige à m'éloigner. » Pendant qu'il parlait, j'étais torturée par la douleur de voir mon bien-aimé si triste. Je lui ai dit « Seigneur, c'est vrai que tu ne peux plus trouver rien de bon en l'homme et qu'il est devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus respecter les lois de la nature. Si donc tu ne regardes que l'homme, tu voudrais lui envoyer des châtiments. C'est pourquoi je te prie de poser ton regard sur ta miséricorde, et ainsi tout sera arrangé. » Jésus me dit « Fille, soulage-moi un peu de mes souffrances. » En disant cela, il retira la couronne d'épines qui était enfoncée sur son adorable tête et l'enfonça sur la mienne. J'éprouvais de très vives douleurs, mais j'étais contente de voir que Jésus était soulagé. Ensuite il dit « Fille, j'aime beaucoup les âmes pures. Autant je suis obligée de fuir les âmes impures, autant je suis attirée par les âmes pures comme par un aimant, et je viens habiter en elles. À ces âmes, je prête volontiers ma bouche, afin qu'elles parlent avec ma langue, et qu'ainsi, elles n'aient aucun effort à faire pour convertir les âmes. Je me délecte, non seulement à perpétuer ma passion en ces âmes, et ainsi à continuer en elles la rédemption, mais je prends aussi plaisir à faire s'épanouir mes propres vertus en elles. » 2 août 1899. Importance de l'accueil de la grâce. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré tout affligé et presque en colère contre les hommes, menaçant de leur envoyer les châtiments habituels et de faire mourir subitement les gens par les éclairs, la grêle et le feu. Je l'ai supplié avec insistance de s'apaiser et il m'a dit « Les iniquités qui montent de la terre au ciel sont si nombreuses que si les prières et les souffrances des âmes victimes cessaient pour un quart d'heure, je ferais sortir le feu des entrailles de la terre et j'en inonderai la population. » Il ajouta, « Regarde toutes les grâces que je devais déverser sur les créatures. Comme elles n'y correspondent pas, je suis forcé de les retenir. Pire encore, elles m'obligent à changer ces grâces en châtiments. Sois attentive, ô ma fille, afin de bien correspondre aux multiples grâces que je déverse en toi, car la correspondance à mes grâces est la porte qui me laisse entrer dans un cœur pour y faire ma demeure. » Cette correspondance est comme cet accueil chaleureux et affable que l'on donne quand quelqu'un vient nous visiter, de telle sorte qu'attiré par ses politesses, le visiteur se sent obligé de revenir et se sent même incapable de partir. Tout est dans l'accueil à mon égard, et suivant la façon dont les âmes m'accueillent et me traitent sur la terre, je les accueillerai et les traiterai au ciel. En leur ouvrant toutes grandes les portes du ciel, j'inviterai toute la cour céleste à venir les accueillir, et je les ferai asseoir sur les trônes les plus sublimes. Pour les âmes qui n'auront pas correspondu à mes grâces, ce sera le contraire. 7 août 1899. Notre néant. Notre néant et la beauté de Jésus. Ce matin, mon aimable Jésus ne venait pas. Après une très longue attente, il est enfin arrivé. Je me sentais si confuse et anéantie que je ne pouvais rien lui dire. Il me dit « Plus tu t'anéantiras et apprendras à reconnaître ton néant, plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. » Je lui répondis « Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux ?» Jésus reprit « Si tu es laide, je peux te rendre belle. » En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté.
Puis tout en m'embrassant, il me dit « Comme tu es belle, belle de ma propre beauté. Voilà pourquoi je suis attirée vers toi et portée à t'aimer. » Ces paroles me laissèrent plus confuse que jamais. Que tout soit pour sa gloire. 8 août 1899. Jésus trouve son repos dans l'âme résignée. Il continuait à se montrer brièvement et presque en colère contre les hommes. Mes supplications pour qu'il déverse en moi son amertume ne l'ébranlaient pas. Sans prêter attention à mes propos, il me dit « La résignation absorbe tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'homme et le rend acceptable. Elle grève dans l'âme mes propres vertus. Une âme résignée est toujours en paix et je trouve en elle mon repos. » 10 août 1899. Beauté de la simplicité. Ce matin, quand mon doux Jésus est venu, il m'a transporté hors de mon corps et a ensuite disparu. Étant seul, j'ai vu 2 candélabres de feu qui descendaient du ciel pour ensuite se fractionner en de nombreux éclairs et en une pluie de grêle s'abattant sur la terre, occasionnant de grands tourments pour les plantes et les hommes. L'aurore et la véhémence de l'orage étaient telles que les gens ne pouvaient ni prier ni retourner à leur domicile. Comment dire la peur que j'éprouvais? Je me suis mise à prier afin d'apaiser le courroux du Seigneur. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il tenait en main une barre de fer au bout de laquelle il y avait une boule de feu. Il me dit « J'ai longtemps retenu ma justice et c'est avec raison qu'elle veut sévir sur les créatures qui ont osé détruire toute justice. Oh oui, je ne trouve aucune justice en l'homme. Il s'est totalement contrefait par ses paroles et ses actes. Tout en lui n'est que fraude et injustice, dont son cœur est à ce point envahi qu'il n'est plus qu'un fatras de vices. Pauvres hommes, comme vous vous êtes avilis. » Tout en parlant, il se mit à faire tourner la barre dans sa main, comme s'il allait blesser quelqu'un. Je lui dis « Seigneur, que fais-tu ? » Il répondit « Ne crains pas. Tu vois cette boule de feu ? Elle va incendier la terre, mais elle ne frappera que les méchants. Les bons seront épargnés. » Je repris « Ah, Seigneur, qui est bon ? Nous sommes tous méchants. Je t'en supplie, tourne ton regard, non pas vers nous, mais vers ton infinie miséricorde. Ainsi tu seras apaisé. » Jésus poursuivit « La justice a pour fille la vérité. Comme je suis l'éternelle vérité et que je ne peux induire en erreur, ainsi l'âme juste fait briller la vérité dans tous ses actes. Puisqu'elle possède la lumière de la vérité, si quelqu'un tente de la tromper, elle débusque immédiatement la tromperie, et avec cette lumière, elle ne trompe ni son voisin, ni elle-même, et ne peut être trompée. La justice et la vérité ont pour fruit la simplicité, qui est une autre de mes qualités. Je suis tellement simple que je peux pénétrer partout et que rien ne peut m'arrêter. Je pénètre le ciel et les abîmes, le bien et le mal. Même en pénétrant le mal, mon être ne peut se salir ni recevoir le moindre ombrage. Il en est de même pour l'âme qui, par justice et la vérité, possède le magnifique fruit de la simplicité. Cette âme pénètre le ciel, pénètre les cœurs, pour les conduire à moi, et pénètre tout ce qui est bon. Quand elle se trouve parmi les pécheurs, et qu'elle voit le mal qu'ils font, elle n'en est pas salie, car par sa simplicité, elle écarte promptement le mal. La simplicité est si belle que mon cœur est profondément touché par un seul regard d'une âme simple. Cette âme fait l'admiration des anges et des hommes. 12 août 1899. Jésus transforme Louisa en lui-même et lui enseigne la manière de pratiquer la charité. Ce matin, après une courte attente, mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, ce matin je veux te rendre tout à fait conforme à moi. Je veux que tu penses avec mes pensées, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec ma langue, que tu agisses avec mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu aimes avec mon cœur. » Ensuite, Jésus a uni ses attributs, ceux mentionnés si haut, aux miens, et j'ai réalisé qu'il était aussi en train de me donner sa propre forme. De plus, il m'a donné la grâce de m'en servir comme il le fait lui-même. Puis il a dit « Je déverse de grandes grâces en toi. Garde-les bien.
Je répondis, « Étant rempli de tant de misère, j'ai bien peur, ô mon bien-aimé Jésus, de faire un mauvais usage de tes grâces. Ce que je crains le plus, c'est ma langue qui, trop souvent, me fait manquer à la charité envers mon prochain. » Jésus poursuivit, « N'aie pas peur, je vais t'enseigner la manière de parler à ton prochain. Premièrement, lorsqu'on te raconte quelque chose sur ton prochain, interroge-toi et vois si tu n'es pas toi-même coupable de ce défaut, car dans ce cas, vouloir corriger ton prochain serait le scandaliser et m'indigner moi-même. Deuxièmement, si tu n'as pas ce défaut, lève-toi et essaye de parler comme j'aurais parlé. De cette façon, tu parleras avec ma propre langue et ainsi tu ne manqueras pas à la charité. Au contraire, par tes paroles, tu feras du bien à ton prochain et à toi-même et tu me rendras honneur et gloire. » 13 août 1899. Jésus emprunte la forme de Louisa. Il s'est encore manifesté ce matin, mais brièvement, en menaçant encore d'envoyer des châtiments. Alors que je m'employais à l'apaiser, il s'est éloigné aussi vite que l'éclair. La dernière fois qu'il est venu, il s'est montré crucifié. Je me suis placée près de lui pour baiser ses plaies très saintes, faisant des actes d'adoration, quand soudain, au lieu de voir Jésus, c'est ma propre forme que j'ai aperçue. J'étais très surprise et j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de m'adorer moi-même? Je ne peux pas faire ça. » Alors il est revenu à sa propre forme et m'a dit, « Ne sois pas surprise si j'ai emprunté ta forme. Puisque je souffre continuellement en toi, qu'y a-t-il d'étonnant que j'ai emprunté ta physionomie? D'ailleurs, si je te fais souffrir, n'est-ce pas pour faire de toi une image de toi? » Je demeurai toute confondue et Jésus disparut. Que tout concourt à sa gloire et que son saint nom soit béni à jamais. 15 août 1899. La charité lie et ordonne toutes les autres vertus. On célèbre l'Assomption de Marie dans le ciel. La beauté du « Je te salue Marie ». Ce matin, mon très doux Jésus avait le cœur en fête et tenait en main un bouquet des plus belles fleurs. Se blottissant dans mon cœur, tantôt il s'entourait la tête de ses fleurs, tantôt il les tenait dans ses mains, le cœur dans la joie et l'allégresse. Il célébrait comme s'il avait obtenu une grande victoire. Se tournant vers moi, il me dit, « Ma bien-aimée, ce matin je suis venu mettre les vertus en ordre dans ton cœur. Les autres vertus peuvent demeurer séparées les unes des autres, mais la charité lie et ordonne toutes les autres. Voici ce que je veux faire en toi concernant la charité. » Je lui dis, « Mon seul et unique bien, comment pourrais-tu faire cela, étant donné que je suis si méchante et pleine de défauts? Si la charité engendre l'ordre, ces défauts et ces péchés ne sont-ils pas la cause du désordre qui souille mon âme ?» Jésus reprit, « Je vais tout purifier, et la charité va tout remettre en ordre. D'ailleurs, quand je laisse une âme participer aux souffrances de ma passion, il ne peut y avoir de péché grave, tout au plus quelques fautes vénielles involontaires. Mais étant de feu, mon amour consume toute imperfection. Alors, de son cœur, Jésus fit couler un ruisseau de miel dans mon cœur. Avec ce miel, il purifia tout mon intérieur et ainsi tout en moi fut remis en ordre, unifié et marqué du sceau de la charité. Ensuite, j'ai senti que je quittais mon corps et que je pénétrais dans la voûte des cieux en compagnie de mon aimable Jésus. C'était grande fête partout. Au ciel, sur la terre et au purgatoire. Tout s'était inondé d'une joie et d'une jubilation nouvelles. Plusieurs âmes sortaient du purgatoire et montaient au ciel comme des éclairs afin d'assister à la fête de notre Reine-Mère. Moi aussi, je me suis faufilée dans cette foule immense composée d'anges, de saints et d'âmes du purgatoire fraîchement arrivées. Ce ciel était tellement immense qu'en comparaison, les cieux que nous voyons sur la terre n'ont l'air que d'un petit trou. Regardant tout autour, je ne vis qu'un ardent soleil répandant des rayons fulgurants qui me pénétraient et me rendaient transparente comme le cristal. Ainsi mes petites taches apparurent clairement, de même que la distance infinie entre le Créateur et sa créature. Chaque rayon de ce soleil avait un accent particulier. Les uns brillaient de la sainteté de Dieu, d'autres de sa pureté, d'autres de sa puissance,
d'autres de sa sagesse, et ainsi de suite pour les autres vertus et attributs de Dieu. Devant ce spectacle, mon âme touchait son néant, ses misères et sa pauvreté. Elle se sentait anéantie et tombait face contre terre devant le soleil éternel que nul ne peut voir face à face. La très sainte Vierge, quant à elle, semblait totalement absorbée en Dieu. Pour pouvoir participer à la fête de cette reine-mère, il nous fallait regarder à partir de l'intérieur du soleil. On ne pouvait rien voir à partir d'autres points d'observation. Pendant que j'étais tout anéantie devant le divin soleil, bébé Jésus, que la reine-mère tenait dans ses bras, me dit « Notre maman est dans le ciel. Je te donne la tâche d'agir comme ma maman sur la terre. Et comme ma vie est continuellement objet de mépris, de douleur et d'abandon de la part des hommes, et que durant son séjour sur la terre, ma mère était ma fidèle compagne dans toutes mes souffrances, elle a toujours voulu me soulager en tout, dans la mesure de ses forces. Toi aussi, en imitant ma mère, tu me tiendras fidèlement compagnie dans toutes mes souffrances, en souffrant à ma place autant que possible. Et quand tu ne le pourras pas, tu essaieras au moins de me réconforter. Sache cependant que je te veux tout à moi. Je serai jaloux de ta moindre respiration si elle ne m'est pas dédiée. Quand je verrai que tu ne me seras pas totalement concentré à me plaire, je ne te laisserai aucun repos. Par la suite, j'ai commencé à agir comme sa maman. Oh, quelle attention il me fallait exercer pour lui être agréable. Afin de lui plaire, je ne pouvais même pas jeter un regard ailleurs. Tantôt il voulait dormir, tantôt il désirait boire, tantôt il voulait être caressé. Je devais toujours être prête à exaucer ses désirs. Il m'a dit « Maman, j'ai mal à la tête. Oh, je t'en prie, soulage-moi. » Aussitôt, j'examinais sa tête et y trouvant quelques épines, je les lui enlevai et le fis reposer en soutenant sa tête dans mes bras. Pendant qu'il se reposait, il se dressa subitement en disant « Je ressens un poids et une telle souffrance dans mon cœur que je me sens mourir. Essaye de voir ce qu'il y a. » En scrutant l'intérieur de son cœur, je trouvais tous les instruments de sa passion. Je les retirais un à un et les plaçais dans mon propre cœur. Ensuite, voyant qu'il était soulagé, je commençais à le caresser et à l'embrasser en lui disant « Mon seul et unique trésor, tu ne m'as même pas laissé assister à la fête de notre reine-mère ni entendre les premiers cantiques que les anges et les saints ont chantés pour elle. » Il me répondit « Le premier cantique qu'ils ont chanté fut le « Je te salue Marie », vu que, par cette prière, on lui adresse les plus belles louanges, les plus grands honneurs, et que, en l'entendant, la joie qu'elle ressentit en devenant mère de Dieu se renouvelle. Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur. Quand tu viendras au paradis, je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée si tu avais été de la fête avec les anges et les saints dans le ciel. » Nous avons donc récité ensemble la première partie du « Je te salue Marie ». Oh, comme ce fut doux et émouvant de saluer notre très sainte maman en compagnie de son fils bien-aimé. Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense lumière par laquelle j'ai compris bien des choses au sujet de la très sainte Vierge. Mais comment raconter toutes ces choses, compte tenu de mon inaptitude? Je les passe donc sous silence. 16 août 1899. Louisa continue d'agir comme la maman de Jésus. Jésus désire encore que j'agisse comme sa mère. Il s'est manifesté à moi sous la forme du plus gracieux petit bébé en train de pleurer. Afin d'apaiser ses pleurs, je me suis mise à chanter en le tenant dans mes bras. Quand je chantais, il cessait de pleurer, mais dès que j'arrêtais, il se remettait à pleurer. Je préfère garder le silence concernant ce que je chantais. D'abord parce que je ne me souviens pas très bien, étant alors hors de mon corps, et aussi parce que, de toute façon, on ne peut se souvenir de tout ce qui arrive. Je préfère garder le silence aussi parce que je pense que mes paroles étaient sottes. Cependant, dame obéissance, souvent très impertinente, ne veut pas renoncer. Je vais donc la contenter, même si ce que je vais écrire est farfelu. On dit que dame obéissance est aveugle, mais quant à moi, je crois qu'elle voit tout, puisqu'elle remarque la moindre petite chose, et que,
Quand on ne fait pas ce qu'elle demande, elle devient pertinente au point de ne plus nous laisser aucun repos. Donc, pour garder la paix avec elle, et compte tenu de ce qu'elle est si bonne quand on lui obéit et qu'on peut tout obtenir à travers elle, je vais écrire ce dont je me souviens avoir chanté à Jésus. Petit bébé, tu es petit et fort, de toi j'attends tout réconfort. Petit bébé, gracieux et beau, même les étoiles sont éprises de toi. Petit bébé, prends mon cœur, remplis-le de ton amour. Petit bébé, tendre petit, fais-moi petit bébé aussi. Petit bébé, tu es un paradis, je me délecte de ton sourire éternel. 17 août 1899. Le pouvoir de dame obéissance. Ce matin, après avoir communié, j'ai dit à mon aimable Jésus, « Comment se fait-il que cette vertu d'obéissance soit si impertinente et même parfois capricieuse ?» Il me répondit, « Si cette noble dame est telle que tu le dis, c'est parce qu'elle doit faire mourir tous les vices, et puisqu'elle doit donner la mort, elle doit être forte et courageuse. » Pour arriver à ses fins, elle doit parfois user de caprice et d'impertinence. Cela étant nécessaire pour ceux qui doivent tuer le corps, pourtant si fragile, cela est encore plus nécessaire quand il faut tuer les vices et les passions, lesquels peuvent revenir à la vie, alors qu'on pensait les avoir tués. Oh oui, il n'y a pas de vraie paix sans obéissance, et si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. La désobéissance s'accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, le roi de cette noble vertu, et on court à sa perte. L'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante ne fait plus sa propre volonté, mais celle de Dieu. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? Dans la pratique des autres vertus, même les plus sublimes, l'amour de soi peut toujours se glisser, mais dans la pratique de l'obéissance, jamais. 18 août 1899. La lumière de la vérité met de l'ordre dans l'âme. Ce matin, lorsque mon adorable Jésus est venu, je lui ai dit « Mon bien-aimé Jésus, j'ai parfois l'impression que tout ce que j'écris est absurde. » Il me répondit « Ma parole est non seulement vérité, mais aussi lumière. Quand la lumière pénètre dans une chambre noire, que fait-elle? Elle chasse les ténèbres et rend visibles les objets qui s'y trouvent, qu'ils soient laids ou beaux, ou que la chambre soit en ordre ou en désordre. D'après l'état de la chambre, on peut alors deviner quel genre de personne l'habite. Dans cet exemple, la chambre représente l'âme humaine. Quand la lumière de la vérité y pénètre, elle y chasse les ténèbres et on peut y distinguer le vrai du faux, le temporel de l'éternel. En conséquence, l'âme peut éloigner d'elle les vices et mettre de l'ordre dans ses vertus. Comme ma lumière est sainte, c'est ma divinité même, elle ne peut que transmettre la sainteté et l'ordre à l'âme dans lequel elle pénètre, celle-ci ayant l'impression que des lumières de patience, d'humilité, de charité, etc. émanent d'elle. Si ma parole produit en toi de tels signes, pourquoi craindre? Ensuite, Jésus pria le Père pour moi en disant « Père très saint, je te prie pour cette âme, fais qu'elle accomplisse parfaitement notre sainte volonté en tout. Fais, ô adorable Père, que ses actions soient conformes aux miennes, sans aucune distinction, afin que je puisse réaliser en elle mes desseins. » Comment décrire la force qui s'est infusée en moi à la suite de cette prière de Jésus? Mon âme fut revêtue d'une telle force que je me sentais capable d'endurer 1000 martyrs pour accomplir la très sainte volonté de Dieu, si elle me le demandait. Que soit remercié à jamais le Seigneur, toujours si miséricordieux, envers la pauvre pécheresse que je suis. 21 août 1899. Plaire uniquement à Jésus. Après avoir passé 2 jours à souffrir, mon bienveillant Jésus s'est montré plein de douceur et d'affabilité. Intérieurement, je me disais, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Jésus me dit, ma bien-aimée, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction, si tu ne te trouves pas en ma présence, occupée à me parler et à me plaire uniquement,
De même, je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme, dont l'unique but est de me plaire, peut avoir sur mon cœur et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement liée à cette âme que je me sens obligée de faire ce qu'elle désire. J'ai compris qu'il parlait ainsi parce que, ces derniers jours, quand je souffrais terriblement, je répétais sans cesse intérieurement « Mon Jésus, tout par amour pour toi. Que ces souffrances soient autant d'actes de louange et d'hommage pour toi. Qu'elles soient autant de voix qui te glorifient et de preuves de mon amour pour toi. » 22 août 1899. Jésus affermit les vertus de Louisa. Plein d'amabilité et de majesté, mon cher Jésus continue de venir. Il me dit « La pureté de mes regards brille dans tous tes actes qui sont ainsi transformés en splendeur, qui me consolent des choses immondes que je vois chez les créatures. » À ces mots, je devins toute confuse et n'osais rien dire. Voulant m'égayer, Jésus me dit ensuite « Dis-moi, que désires-tu ? » Je lui répondis « Quand tu es là, comment pourrais-je désirer autre chose ?» Il me redemanda plusieurs fois de lui dire ce que je désirais. En le regardant, je vis la beauté de ses vertus et je lui dis « Mon très doux Jésus, donne-moi tes vertus. » Ouvrant son cœur, il en fit sortir des rayons correspondant à ses diverses vertus qui, pénétrant dans mon cœur, affermirent mes propres vertus. Il me dit « Que désires-tu encore ?» Me souvenant qu'au cours des derniers jours, une douleur spéciale empêchait mes sens de se dissoudre en Dieu, je lui répondis « Mon bienveillant Jésus, fais que la douleur ne m'empêche pas de me perdre en toi. » En posant sa main sur cette partie douloureuse de mon corps, il diminua la violence des spasmes afin que je puisse mieux me recueillir et me perdre en lui. 27 août 1899. L'impact des visites de Jésus. Ce matin, en apercevant mon doux Jésus, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable voulant me tromper. Voyant ma peur, il me dit « Quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties, et elle reconnaît son néant. Voyant l'âme ainsi anéantie, mon amour se transforme en de nombreux ruisseaux, venant la fortifier dans les biens. Quand c'est le diable, c'est tout le contraire qui se produit. » 30 août 1899. L'homme a perdu son sens religieux. Menace de châtiment. Ce matin, mon bien-aimé Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir la décadence de la foi chez les hommes ainsi que des préparatifs de guerre. Je lui dis « Ô Seigneur, l'état du monde sur le plan religieux est désolant à fendre l'âme. Il me semble que la religion, qui ennoblit l'homme et le fait tendre vers un but éternel, n'est plus reconnue. Le plus triste, c'est que la religion est ignorée par ceux-là même qui se disent religieux et qui devraient donner leur vie pour la défendre et la raviver. » D'un air affligé, Jésus me dit « Ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes viennent, pour eux, à cause de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Mon cœur souffre de les voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculiers et religieux, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité. En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. C'est donc nécessaire que le sang soit versé et que les églises elles-mêmes soient presque toutes détruites, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur prestige et leur splendeur première. » Je passe sous silence les cruels tourments que les hommes devront subir dans les temps à venir, parce que je ne m'en souviens pas très bien et que je n'en vois pas très clairement le déroulement. Si le Seigneur veut que j'en parle, il me donnera plus de lumière et je pourrai alors écrire davantage là-dessus. Pour l'instant, je m'arrête ici. 31 août 1899. Le confesseur exige, au nom de l'obéissance, que Louisa cesse de parler à Jésus.
Après que le confesseur m'eût demandé au nom de l'obéissance de dire à Jésus quand il viendrait « Je ne veux, peux pas te parler, loin de toi », j'ai cru que c'était une farce et non une directive véritable. Alors quand Jésus vint, oubliant presque l'ordre reçu, je lui ai dit « Mon bon Jésus, vois ce que le Père veut faire ». Jésus me répondit « L'abnégation, ma fille ». Je repris « Mais Seigneur, il s'agit d'une chose sérieuse. Cela concerne le rejet de toi. Comment puis-je faire cela ?» Pour la seconde fois, Jésus dit « L'abnégation ». Je poursuivis « Mais Seigneur, que dis-tu ? Crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi ?» Pour la troisième fois, Jésus me dit « Ma fille, l'abnégation ». Ensuite, il disparut. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti en voyant que Jésus voulait que je sois disposée à obéir sur ce point. 1er septembre 1899. Lutte cruelle de Louisa afin d'obéir. L'âme, identifiée à Jésus, ne peut être séparée de lui. L'obéissance, cette puissante guerrière, était tout pour Jésus. En arrivant, le confesseur m'a demandé si je lui avais obéi. Après lui avoir dit comment tout s'était passé, il a renouvelé sa consigne, à savoir que, pour aucune considération, je ne devais parler à Jésus, mon seul et unique soutien, et que je devais le repousser s'il se présentait. Ayant donc compris que ce qu'il me demandait était réellement au nom de l'obéissance, je me suis dit intérieurement « Fiat voluntas tua en cela aussi ?» Oh, comme cela m'a coûté ! Quel cruel martyr ! C'était comme si un clou me transperçait le cœur de part en part. Mon habitude d'appeler Jésus mon seul bien, de languir sans cesse après lui, fait partie de mon être autant que ma respiration et les battements de mon cœur. Vouloir arrêter cela, c'est comme vouloir empêcher quelqu'un de respirer ou de laisser battre son cœur. Comment peut-on vivre ainsi ? Cependant, l'obéissance doit prévaloir. Oh mon Dieu, quelle douleur, quelle torture ! Comment peut-on empêcher un cœur de languir après l'être qui est toute sa vie ? Comment arrêter un cœur de battre ? De toute son énergie, ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur, mais quelle vigilance constante il lui fallait. De temps à autre, ma volonté devenait fatiguée et découragée, et mon cœur se sauvait en appelant Jésus. S'en apercevant, ma volonté s'efforçait davantage d'arrêter mon cœur, mais elle ratait souvent son coup. C'est pourquoi il m'a semblé que j'étais continuellement en état de désobéissance. Oh, quel contraste dans ma vie ! Quelle guerre sanglante ! Que d'agonie pour mon pauvre cœur ! Ma souffrance était telle que j'ai cru en mourir. Si j'avais pu mourir, ça aurait été un réconfort pour moi. Je vivais les affres de la mort sans mourir. Après avoir versé d'abondantes larmes tout le jour et toute la nuit, et comme je me trouvais dans mon état habituel, mon bienveillant Jésus vint et moi, obligé par l'obéissance, je lui dis « Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. » Avec compassion et voulant me fortifier, Jésus fit sur moi un grand signe de croix de sa main créatrice et me quitta. Comment décrire le purgatoire dans lequel je me trouvais ? Il ne m'était pas permis de m'élancer vers mon unique bien, ni même de l'appeler ou de languir après lui. Ah, les bienheureuses âmes du purgatoire peuvent au moins l'appeler, s'élancer, crier leur détresse à leur tout bien-aimé. Il leur est seulement défendu de le posséder, tandis que moi, je suis également privée de ses consolations. Je ne fis que pleurer la nuit entière. Ma faible nature n'en pouvait plus. L'adorable Jésus vint, et comme il semblait vouloir me parler, je lui ai aussitôt dit « Ma chère vie, je ne peux pas te parler. Je t'en prie, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Si tu veux faire connaître ta volonté, va le voir. » Pendant que je parlais, j'aperçus le confesseur. S'approchant de lui, Jésus lui dit « Cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergées en moi, afin que nous ne formions qu'une seule substance, que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. C'est comme lorsque deux substances sont mélangées. Elles se transfusent l'une dans l'autre,
et si on veut ensuite les séparer, cela est impossible. De même, c'est impossible de séparer mes âmes de moi. » Ayant dit cela, il disparut, et je suis restée avec ma peine encore plus grande qu'avant. Mon cœur battait si fort que j'ai senti craquer ma poitrine. Après, je ne saurais expliquer comment, je me suis trouvée hors de mon corps, et oubliant l'ordre reçu, je me suis promenée à travers la voûte des cieux en pleurant, en criant et en cherchant mon doux Jésus. Tout à coup, je l'aperçus se dirigeant vers moi et se jetant dans mes bras tout brûlant et langoureux. M'étant vite rappelé la consigne reçue, je lui ai dit « Seigneur, ne me tente pas ce matin. Ne sais-tu pas que l'obéissance ne veut pas ?» Il me répondit « Le confesseur m'a envoyé. Voilà pourquoi je suis venu. » Je repris « Ce n'est pas vrai. Serais-tu un démon venant pour me tromper et me faire manquer à l'obéissance ?» Il poursuivit « Je ne suis pas un démon. » Je dis « Si tu n'es pas un démon, faisons ensemble le signe de la croix. » Alors tous deux, nous avons fait le signe de la croix. Ensuite, j'ajoutais « Si c'est vrai que le confesseur t'a envoyé, allons ensemble le voir, afin qu'il puisse déterminer si tu es Jésus-Christ ou un démon. Alors seulement je serai convaincu. » Nous sommes donc allés voir le confesseur. Et comme Jésus était un enfant, je le déposais dans ses bras en disant « Mon Père, discernez vous-même, est-ce là mon doux Jésus ou bien un démon ?» Pendant que l'enfant était dans les bras du Père, je lui ai dit « Si tu es réellement Jésus, baise la main du confesseur. » J'ai pensé que si c'était le Seigneur, il s'abaisserait à baiser la main du confesseur, et que si c'était le démon, il refuserait. Jésus baisa non pas la main de l'homme, mais celle du prêtre revêtu d'autorité. Ensuite, le confesseur m'a semblé discuter avec lui pour voir s'il était bien Jésus. Voyant que c'était le cas, il me le remit. Malgré cela, mon pauvre cœur ne pouvait savourer les caresses de mon bien-aimé Jésus parce que je me sentais encore liée par l'obéissance et qu'ainsi, je ne voulais pas l'ouvrir ni même prononcer un seul mot d'amour. Ô sainte obéissance, comme tu es puissante! En ces jours de martyr, je te vois comme la plus puissante guerrière, armée de la tête aux pieds, avec des sabres, des dards et des flèches, et munie de tous les instruments pour blesser. Et lorsque tu t'aperçois que mon pauvre cœur fatigué et attristé a besoin de réconfort, de trouver sa source rafraîchissante, sa vie, le centre qui l'attire comme un aimant, me regardant de tes mille yeux, tu m'infliges de tous côtés des blessures cruelles. Ah, je t'en prie, aie pitié de moi, et ne sois pas si cruelle. » Pendant que j'entretenais ces pensées, j'entendis la voix de mon adorable Jésus me disant à l'oreille « L'obéissance était tout pour moi, et je veux qu'elle soit tout pour toi. C'est l'obéissance qui m'a fait naître, et c'est elle qui m'a fait mourir. Les blessures que je porte sur mon corps sont toutes des blessures et des marques que l'obéissance m'a infligées. Tu as raison de dire qu'elle est comme la plus puissante guerrière, armée de toutes sortes d'armes pour blesser. En fait, elle ne m'a pas laissé une seule goutte de mon sang. Elle a déchiré ma chair en pièces. Elle a disloqué mes os pendant que mon pauvre cœur, épuisé et sanglant, cherchait quelqu'un de compatissant pour le consoler. Agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela ? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi on la nomme victoire, car elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence sa vraie vie. À quelle grandeur de l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit ? Par elle, j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes, j'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants, ayant bénéficié de ma rédemption. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a coûté la vie, mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille, et c'est pourquoi j'aime tellement les âmes obéissantes.
Je reprends maintenant mon récit là où je l'avais laissé. Au bout d'un certain temps, le confesseur est venu, et après lui avoir transmis les paroles dites plus haut, il a maintenu sa consigne, c'est-à-dire que je dois continuer à agir de la même façon avec Jésus. Je lui ai dit, Père, permettez-moi au moins de laisser mon cœur libre de dire à Jésus quand il viendra. Ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler. Le confesseur m'a répondu, fais ce que tu peux pour l'en empêcher. Si tu ne peux pas, laisse-le libre. 2 septembre 1899, fin de la consigne du confesseur. Avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre. Mais cela ne l'a pas empêché d'être encore torturé de mille façons. En fait, quand Dame Obéissance voyait que mon cœur cessait de battre pendant un certain temps, en cherchant son Créateur, dans l'espérance de pouvoir se reposer en lui pour renouveler ses forces, elle s'abattait sur moi et me blessait de toutes parts avec ses griffes. La simple répétition du triste refrain « Ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler » était pour moi le plus cruel des martyrs. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus est venu et je lui ai dit le triste refrain en question. Alors, sans plus, il est parti. Une autre fois, quand je lui ai dit « Ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas », il m'a dit « Ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. » Ensuite, il disparut. Après quelque temps, le confesseur est venu et quand je lui ai demandé si je devais continuer ainsi, il m'a dit « Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux et le garder auprès de toi, aussi longtemps que tu le désires. » Cela m'a libérée en ce sens que je n'avais plus à lutter autant face à la puissance guerrière qu'est l'obéissance. S'il avait poursuivi encore avec la même consigne, il serait vite parvenu à me faire mourir physiquement. En réalité, cela aurait été pour moi une grande victoire, car je me serais ainsi uni à mon bien suprême, pour de bon, et non plus par intervalle comme auparavant. Inutile de dire que j'en aurais grandement remercié Dame Obéissance. Je lui aurais chanté le cantique de l'obéissance, c'est-à-dire le cantique des victoires. Ensuite, en riant, je me serais moqué de sa force. Pendant que j'écrivais ces lignes, un œil radieux et enchanteur m'est apparu et une voix m'a dit « Et moi, je me serais uni à toi et j'aurais ri avec toi, car ça aurait également été ma victoire. » Je répliquais « Ô chère obéissance, après avoir ri ensemble, je t'aurais laissé à la porte du paradis en te disant adieu et non pas à la prochaine, afin de ne plus jamais avoir affaire à toi. De plus, j'aurais pris bien soin de ne pas te laisser entrer. » 5 septembre 1899. Jésus conduit l'âme à la perfection, petit à petit. Ce matin, j'étais tellement abattue, et je me trouvais si méchante, que j'avais peine à me supporter moi-même. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état. Il m'a dit, « Ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. Amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attirée par ses actes, je me sens obligée de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Si à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Que le Seigneur soit jamais béni. 9 septembre 1899. La foi, l'espérance et la charité sont la base de la vie spirituelle. L'âme est un temple vivant pour Dieu. Jésus vint comme à l'accoutumée, mais sous un aspect tout nouveau. On aurait dit qu'un tronc d'arbre,
comportant trois racines, sortait de son cœur blessé et se penchait pour pénétrer dans le mien, duquel ressortaient de nombreuses branches chargées de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses qui brillaient comme les plus resplendissantes étoiles. À l'ombre de cet arbre, mon aimable Jésus s'amusait follement, d'autant plus que plusieurs perles, tombant de l'arbre, formaient une magnifique parure pour sa très sainte humanité. Il me dit, « Ma très chère fille, les trois racines du tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. Le fait que ce tronc sort de mon cœur pour pénétrer dans le tien signifie que tout le bien que possède une âme vient de moi et que les créatures ne possèdent rien d'autre que leur néant, lequel me donne la liberté de pénétrer en elles pour faire ce que je veux. Cependant, il y a des âmes qui s'opposent à moi et choisissent de faire leur propre volonté. Pour elles, le tronc ne produit ni branches, ni fruits, ni rien de bon. Les branches de cet arbre, avec ses fleurs, ses fruits, ses perles et ses pierres précieuses, sont les différentes vertus qu'une âme possède. Qu'est-ce qui donne vie à un si bel arbre? Évidemment, ce sont ses racines. C'est donc dire que la foi, l'espérance et la charité englobent tout et sont le fondement de l'arbre qui ne peut rien produire sans elles. J'ai compris que les fleurs représentent les vertus, les fruits, les souffrances, et que les perles et les pierres précieuses représentent les souffrances vécues par pur amour pour Dieu. Voilà pourquoi ces objets forment une si magnifique parure pour notre Seigneur. Assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle, puis dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant « Comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant, où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meures pas. En effet, si je te manifestais complètement mon amour, non seulement tu perdrais la raison, mais tu ne pourrais plus vivre. Ta faible nature serait consumée par les flammes de cet amour. » Pendant qu'il parlait, je me sentais toute confuse et j'avais l'impression d'enfoncer dans l'abîme de mon néant parce que je me voyais remplie d'imperfection. J'ai surtout noté mon ingratitude et ma froideur devant tant de grâces reçues du Seigneur. Mais j'espère que tout pourra conquérir à sa gloire et à son honneur et qu'il voudra bien, dans un élan de son amour, vaincre ma dureté de cœur. 16 septembre 1899. Valeur des souffrances vécues uniquement pour Dieu. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et comme j'ai eu peur que ce soit le diable, je lui ai dit « Laisse-moi faire le signe de la croix sur ton front. » Après l'avoir fait, je me suis sentie rassurée. Mon Jésus bien-aimé avait l'air fatigué et il voulait se reposer en moi. À la suite de mes souffrances des derniers jours, j'étais également fatiguée, surtout parce que ses visites se faisaient très rares et que je sentais le besoin de me reposer en lui moi aussi. Après un bref échange, il me dit « La vie du cœur, c'est l'amour. Je suis comme un malade brûlant de fièvre qui cherche un soulagement contre le feu qui le dévore. Ma fièvre, c'est l'amour. Où donc puis-je trouver le soulagement approprié contre le feu qui me consume? Je le trouve dans les souffrances et les labeurs de mes âmes bien-aimées qui les vivent uniquement par amour pour moi. Très souvent, j'attends le bon moment pour qu'une âme se tourne vers moi et me dise « Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. » Ah oui, ce sont là les meilleurs soulagements pour moi. Ils me réjouissent et éteignent le feu qui me consume. Ensuite, Jésus s'est jeté dans mes bras, tout langoureux, pour se reposer. Pendant qu'il se reposait, j'ai compris bien des choses au sujet des paroles qu'il venait de me dire, surtout celles concernant les souffrances vécues par amour pour lui. Oh, quelle monnaie d'inestimable valeur! Si tout le monde le savait, il y aurait concurrence entre nous pour souffrir davantage. Mais je crois que nous sommes tous trop myopes pour reconnaître la valeur de cette monnaie. 19 septembre 1899.
fruit de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce matin, j'étais un peu bouleversée, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus mais un démon et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonnée à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre, comme présentement, mais continuellement. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction ? » Ensuite, il me montra son cœur, contenant trois globes de lumière, qui par la suite n'en formèrent qu'un, et il poursuivit son exposé. Les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité que j'ai offertes comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière et entourèrent mon âme comme d'une espèce de filet. Il poursuivit. Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi, ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti en voyant ton néant et tu ne sauras où trouver un appui. Alors élève-toi plus haut et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion, offerts en cadeau à l'humanité. C'est uniquement par ces mérites que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre. Il sera embelli et enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité et l'espérance lui donnera force et courage afin qu'elle devienne stable comme un pilier au milieu des intempéries, c'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne l'ébranleront aucunement. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie, elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ah oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel, le seul moyen d'y entrer, car qui espère tout, obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité, et en portant avec elle la foi de l'espérance, elle s'y plongera pour ne plus faire qu'un avec son Dieu. Mon très aimable Jésus ajouta, si la foi est roi et la charité reine, l'espérance est la mère médiatrice et pacificatrice. Il pourra y avoir divergence entre la foi et la charité, mais l'espérance étant un lien de paix, elle convertit tout en paix. L'espérance est le soutien, le rafraîchissement. Quand l'âme s'élève par la foi, elle voit la beauté et la sainteté de Dieu, ainsi que l'amour par lequel elle est aimée de lui. Ainsi, elle est portée à aimer Dieu. Cependant, consciente de sa misère, du peu de choses qu'elle sait faire et de son manque d'amour, elle se sent mal à l'aise et troublée. Elle ose à peine s'approcher de Dieu. Alors, cette mère médiatrice se place entre la foi et la charité et commence à jouer son rôle de pacificatrice. Elle redonne la paix à l'âme, la pousse à se relever, lui donne des forces nouvelles et la conduit devant le roi foi et la reine charité. Elle leur présente des excuses au nom de l'âme, lui donne une nouvelle effusion de mérite et les supplie de la recevoir. Alors la foi et la charité, les yeux fixés sur cette mère médiatrice, si tendre et compatissante, accueille l'âme et ainsi Dieu trouve en elle ses délices. Pareillement, l'âme trouve ses délices en Dieu. Ô sainte espérance, comme tu es admirable, une âme remplie de toi est semblable à un noble voyageur en marche
pour aller prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Comme il est inconnu et qu'il traverse des terres qui ne lui appartiennent pas, certains se moquent de lui, d'autres l'insultent, certains lui arrachent ses vêtements, d'autres vont jusqu'à le battre et même à le menacer de mort. Que fait le noble voyageur au milieu de toutes ces contrariétés? En est-il troublé? Pas du tout. Au contraire, il se moque de ceux qui lui font toutes ces difficultés, car il est convaincu que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de sa terre. Il incite même les gens à le tourmenter davantage. Il reste toujours calme et jouit d'une paix quasi parfaite. Au milieu des insultes, il reste tellement calme qu'il dort dans le sein de son Dieu tant désiré, alors que d'autres autour de lui demeurent éveillés. Qu'est-ce qui donne une telle paix et une telle fermeté à ce voyageur? C'est l'espérance des biens éternels, et comme ils lui appartiennent de droit, il est prêt à tout pour les posséder. En songeant qu'ils seront à lui, il les aime de plus en plus. C'est ainsi que l'espérance conduit à l'amour. Comment décrire tout ce que mon bien-aimé Jésus me montra? Je préférerais ne rien dire, mais je constate que Dame Obéissance, au lieu de se montrer amicale, prend l'allure guerrière et s'empare de ses armes pour me faire la guerre et me blesser. Oh, je t'en prie, ne prends pas si vite les armes, rampe tes griffes, calme-toi, car je vais t'obéir de mon mieux afin que nous restions amis. Quand une âme est plongée dans l'immense mer de la charité, elle connaît d'ineffables délices et savoure des joies indicibles. Tout devient amour en elle. Ses soupirs, ses battements de cœur et ses pensées sont autant de voix mélodieuses qu'elle fait résonner aux oreilles de son Dieu qu'elle aime tant. Ses voix sont remplies d'amour et appellent Dieu, et lui, attiré et blessé par elle, réplique par ses propres soupirs et battements de cœur, ainsi que par tout son être divin, appelant continuellement l'âme à lui. Qui pourrait dire à quel point l'âme est blessée par ces appels divins? Elle se met à délirer comme sous l'effet d'une forte fièvre. Elle court, presque folle, et va se plonger dans le cœur de son bien-aimé afin d'y trouver un rafraîchissement. Elle boit à torrents les délices divines. Enivrée d'amour, elle compose des cantiques d'amour pour son très doux époux. Comment dire tout ce qui se passe entre l'âme et Dieu? Comment parler de cette charité qui est Dieu lui-même? Je vois une lumière immense et mon esprit en demeure stupéfait. Je me fixe tantôt sur un point, tantôt sur un autre, et alors que j'essaye de décrire ce que je vois, je ne fais que balbutier. Ne sachant que faire, je garde le silence pour l'instant et je crois que Dame Obéissance me pardonnera, car si elle se fâchait contre moi, elle n'aurait pas raison cette fois. Elle aurait tous les torts, puisqu'elle ne m'a pas donné une plus grande facilité d'expression. Avez-vous compris, très révérende Dame Obéissance? Gardons la paix, sans argumenter davantage. 21 septembre 1899. Démêlé de Louisa avec l'obéissance. Raison d'être de son état de victime. Mais qui l'aurait cru? Même si c'est elle qui a tort et que j'ai de la difficulté à m'exprimer, Dame Obéissance a pris la mouche et s'est mise à agir comme un cruel tyran, allant jusqu'à m'empêcher de voir mon aimable bien, ma seule et unique consolation. Comme on peut le voir, cette dame agit parfois comme une petite fille. Lorsqu'elle veut quelque chose et qu'elle ne l'obtient pas en demandant poliment, elle remplit alors la maison de ses cris et de ses pleurs, jusqu'à ce qu'on acquiesce à sa demande. « Bravo! Je ne croyais pas que tu étais comme ça. » Même si je bafouille, tu veux que j'écrive sur la charité? Oh mon Dieu, toi seul peux la rendre plus raisonnable, car c'est évident que ça ne peut continuer comme ça. Je t'en prie, Obéissance, redonne-moi mon doux Jésus, ne me prive plus de la vision de mon plus grand bien. Je te promets que même en bafouillant, j'écrirai comme tu le veux. Je te demande seulement la grâce de me laisser me reposer pendant quelques jours, car mon esprit est trop petit et ne peut plus supporter d'être immergé dans ce vaste océan qu'est la charité divine, surtout parce que j'y vois plus clairement mes misères et ma laideur, et qu'en voyant l'amour de Dieu pour moi, j'ai l'impression de perdre la raison.
Je sens que ma faible nature va s'écrouler, n'en pouvant plus. D'ici là, je vais m'occuper à faire d'autres écrits. Ceci dit, je poursuis avec mes pauvres écrits. Mon esprit étant occupé à faire ce que j'ai déjà mentionné, je me disais, à quoi serviront ces écrits si je ne les mets pas en pratique moi-même? Ils serviront à ma condamnation. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus est venu et m'a dit, ces écrits serviront à faire connaître celui qui te parle et t'habite, et s'ils ne se servent pas à toi, ma lumière éclairera ceux qui les liront. Je ne saurais dire combien je fus mortifiée à la pensée que ceux qui liraient ces écrits pourraient bénéficier des grâces qui y sont attachées, et non pas moi qui les reçois et les mets sur papier. Ces écrits ne vont-ils pas me condamner? À la seule pensée qu'ils vont tomber entre les mains d'autres personnes, mon cœur est accablé de douleur. Dans ma profonde affliction, je me disais, quelle est la raison d'être de mon état si ma condamnation doit en résulter? Alors mon très aimable Jésus revint et me dit, ma vie fut nécessaire pour le salut du monde. Et comme je ne peux plus vivre sur la terre, je choisis qui je veux pour m'y remplacer afin que la rédemption se poursuive. Voilà la raison d'être de ton état. 22 septembre 1899. Répugnance de Louisa à écrire. Par les paroles que mon doux Jésus m'a dites hier, j'ai senti un clou transpercer mon cœur. Toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis, il est venu et m'a dit avec compassion, « Ma fille, je ne veux plus que tu t'affliges ainsi. Sache que tout ce que je te fais écrire n'est rien d'autre qu'un reflet de toi-même et de la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme. Ah, mon Dieu, quelle répugnance j'éprouve à écrire ces mots, puisqu'ils ne me paraissent pas véridiques. Je ne comprends pas encore ce que signifie la vertu et la perfection, mais l'obéissance veut que j'écrive, et il vaut mieux pour moi ne pas résister afin de ne pas être aux prises avec elle. Cela d'autant plus qu'elle a un visage à deux faces. Si je fais ce qu'elle dit, elle se montre comme une dame et me caresse comme l'amie la plus fidèle, me promettant tous les biens du ciel et de la terre. Si par contre elle détecte l'ombre d'une difficulté dans sa relation avec moi, alors, sans crier gare, elle se transforme en guerrière, munie de toutes les armes pour blesser et détruire. Ô mon Jésus, quel genre de vertu est l'obéissance pour que sa seule pensée nous fasse trembler. J'ai dit à Jésus, mon bon Jésus, à quoi bon m'accorder tant de grâces si elles remplissent d'amertume toute ma vie, surtout à cause des heures durant lesquelles je suis privée de ta présence. Le simple fait de savoir qui tu es et que je suis privée de toi est pour moi un martyre. Tes grâces ne servent qu'à me faire vivre dans l'amertume continuelle. Jésus me répondit, quand une personne a savouré la douceur d'un mets sucré et qu'elle est ensuite forcée de prendre un mets amer, elle doit doubler son désir de sucré afin d'oublier l'amer. Il est bon qu'il en soit ainsi, car si elle goûtait toujours au sucré sans jamais goûter à l'amer, elle n'apprécierait pas autant le sucré. Si d'autre part, elle mangeait toujours des mets amers sans jamais avoir goûté au sucré, elle ne pourrait pas désirer les mets sucrés puisqu'elle ne les connaîtrait pas. Ainsi les deux sont utiles. Je repris, mon Jésus, si patient avec mon âme misérable et ingrate, pardonne-moi. J'ai l'impression que cette fois, j'ai été trop curieuse. Il continua, ne sois pas si perturbée. C'est moi qui soulève des difficultés dans ton fort intérieur afin d'avoir l'occasion de converser avec toi et de t'instruire. 25 septembre 1899. Louisa, défenseur de Jésus et des créatures. Intérieurement, je me disais, si ces écrits tombaient entre les mains d'une personne, elle pourrait dire, elle doit être une bonne chrétienne, puisque le Seigneur lui accorde tant de grâces, ignorant que, en dépit de tout, je suis encore si mauvaise. Voilà comment les gens peuvent se leurrer, autant sur ce qui est bien que sur ce qui est mal. Ah, Seigneur, toi seul connais la vérité et le fond des cœurs. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus vint et me dit, « Ma bien-aimée, et si les gens savaient que tu es mon défenseur et le leur ?» Je lui répondis, « Mon Jésus, que dis-tu ? » Il reprit, « N'est-il pas vrai que tu me défends contre les souffrances qu'ils m'infligent en te plaçant entre eux et moi, que tu prends sur toi les coups qu'on veut m'asséner
ainsi que ceux que je devrais faire tomber sur eux? Et si parfois tu n'absorbes pas les coups à ma place, c'est que je ne le permets pas, et cela ton plus grand regret et accompagné de tes plaintes auprès de moi? Pourrais-tu nier cela? Non, Seigneur, répondis-je, je ne peux nier cela, mais je reconnais que c'est quelque chose que tu as toi-même infusé en moi. Voilà pourquoi je dis que si j'agis ainsi, ce n'est pas parce que je suis bonne. Voilà aussi pourquoi je me sens si confuse quand je t'entends dire de telles choses. 26 septembre 1899. La très sainte Vierge est un prodige de grâce, vision abstraite et vision intuitive de Dieu. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps, mais à mon grand regret, je ne le voyais que de dos. Malgré mes supplications de me laisser voir sa sainte face, rien ne changeait. Je me disais, serait-ce à cause de mes manques d'obéissance à écrire qu'il ne veut pas me montrer sa face adorable? Je pleurais. Après m'avoir laissé pleurer un bout de temps, il s'est retourné et m'a dit, je ne tiens pas compte de tes refus, car ta volonté est tellement unie à la mienne que tu ne peux vouloir que ce que je veux. Ainsi, malgré tes répugnances, tu te sens attiré comme par un aimant à faire ce qui t'est demandé. Tes répugnances ne servent qu'à rendre ta vertu d'obéissance plus belle et lumineuse. C'est pourquoi j'ignore tes refus. Ensuite, j'ai contemplé son très beau visage et j'ai ressenti un contentement indescriptible. Je lui ai dit, mon très doux amour, si c'est pour moi un tel délice de te voir, comment cela pouvait-il être pour notre reine mère lorsqu'elle te portait dans son sein très pur? Quel contentement, que de grâce ne lui as-tu pas accordé? Il répondit, ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. Il n'y a rien de mon être que je ne lui ai communiqué. À cet instant, j'ai cru voir notre reine mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. J'étais stupéfaite. Je dis à Jésus, « Mon cher bien, notre mère a pu recevoir tant de dons parce que tu te laissais voir intuitivement par elle. J'aimerais savoir comment tu te manifestes à moi. Est-ce par vision abstraite ou par vision intuitive? Qui sait, ce n'est peut-être même pas par vision abstraite. » Jésus me répondit, « J'aimerais te faire comprendre la différence entre les deux. Par la vision abstraite, l'âme contemple Dieu, alors que, par la vision intuitive, l'âme entre en Dieu et participe à l'être divin. Combien de fois n'as-tu pas participé à mon être? Ces souffrances qui semblent presque naturelles chez toi, cette pureté qui te permet d'en arriver à ne plus sentir ton corps et bien d'autres choses, ne t'ai-je pas communiqué ces choses en t'attirant à moi intuitivement? Je m'exclamais, « Ah Seigneur, c'est tellement vrai! Et moi, combien peu de gratitude je t'ai exprimé pour tout cela? Combien peu j'ai correspondu à tant de grâces? Je rougis rien que d'y penser. Je t'en prie, pardonne-moi, et fais que le ciel et la terre sachent que je suis l'objet de ton infinie miséricorde. » 30 septembre 1899. La patience dans les tentations est une nourriture pour Jésus. J'ai vécu l'enfer pendant plus d'une heure. En effet, pendant que je regardais l'image de l'enfant Jésus, une pensée, rapide comme l'éclair, disait à l'enfant, « Comme tu es laid !» Je me suis efforcée d'ignorer cette pensée et de ne pas me laisser troubler par elle afin d'éviter le piège du démon. Malgré mes efforts, cet éclair diabolique pénétra dans mon cœur et il me semblait que je haïssais Jésus. Oh oui, je me sentais comme si j'étais en enfer avec les damnés. Je sentais en moi l'amour transformé en haine. Oh mon Dieu, quelle souffrance que de se sentir incapable de t'aimer. J'ai dit à Jésus, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne de t'aimer. Mais accepte au moins cette souffrance que j'éprouve présentement, vouloir t'aimer sans le pouvoir. Après avoir passé plus d'une heure dans cet enfer, j'en suis sortie grâce à Dieu. Comment exprimer à quel point mon pauvre cœur était affligé et affaibli par cette guerre entre la haine
et l'amour. J'étais exténuée, presque sans vie. Ensuite, je suis revenue à mon état habituel, mais accablée par ce profond épuisement. Mon cœur et toutes mes puissances intérieures, qui habituellement recherchent leur unique bien avec une ardeur indescriptible et ne s'arrêtent que lorsqu'ils l'ont trouvé, puis se reposent et le savourent avec le contentement le plus exquis, cette fois était inerte. Ô mon Dieu, quel coup cruel pour mon cœur! Ensuite, mon bienveillant Jésus est venu et sa présence consolante m'a aussitôt fait oublier que j'avais visité l'enfer, à tel point que je n'ai même pas demandé pardon à Jésus. Mes puissances intérieures, si profondément humiliées et fatiguées, se reposaient maintenant en lui. Tout était silencieux. Il n'y avait que l'échange de quelques regards d'amour qui blessaient nos deux cœurs. Après avoir gardé un profond silence durant quelque temps, Jésus me dit « Ma fille, j'ai faim, donne-moi quelque chose. » Je répondis « Je n'ai rien à te donner. » Mais à cet instant même, j'aperçus un pain et le lui donnai. Il le dégusta avec beaucoup de plaisir. Dans mon fort intérieur, je me disais « Ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. » Comme s'il voulait répondre à ma pensée, il me dit « Parfois, l'époux est heureux d'échanger avec son épouse pour lui confier ses secrets les plus intimes. D'autres fois, il aime encore mieux se délecter en se reposant pendant que chacun contemple la beauté de l'autre. Cela est nécessaire, car après s'être reposé et avoir goûté la beauté l'un de l'autre, ils s'aiment davantage et se remettent au travail avec plus de force pour négocier et défendre leurs intérêts. C'est ce que je fais avec toi. N'es-tu pas heureuse ? Le souvenir de l'heure passée en enfer m'a traversé l'esprit et je lui ai dit « Seigneur, pardonne-moi mes nombreuses offenses à ton égard. » Il répondit « Ne t'afflige pas, ne sois pas perturbé. C'est moi qui conduis l'âme dans l'abîme profond afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement. » Ensuite, il m'a fait comprendre que ce pain que j'avais trouvé, c'était la patience avec laquelle j'avais supporté cette heure de lutte sanglante. Ainsi donc, la patience déployée, l'humiliation subie et l'offrande à Dieu de nos souffrances pendant la tentation sont un pain nourrissant pour Jésus qu'il accepte avec grand plaisir. 1er octobre 1899. Jésus parle avec amertume de l'abus des sacrements. Ce matin, mon adorable Jésus s'est manifesté en silence. Il avait l'air très affligé et une épaisse couronne d'épines était enfoncée sur sa tête. Mes puissances intérieures étaient silencieuses et je n'ai pas osé dire un mot. Voyant que sa tête me faisait beaucoup souffrir, très délicatement, je lui ai enlevé sa couronne. Ah ! Quel spasme douloureux le secouèrent ! Ses plaies se sont rouvertes et le sang coulait abondamment. C'était à fendre l'âme. J'ai placé la couronne sur ma tête et lui-même m'a aidé à l'enfoncer profondément. Tout cela se passait en silence. Quelle ne fut pas ma surprise quand, au bout d'un moment, j'ai vu que les créatures, par leurs offenses, remettaient une autre couronne sur sa tête. Ô humaine perfidie, ô incomparable patience de Jésus, il ne disait rien, évitant presque de regarder qui étaient ses offenseurs. Encore une fois, je la lui retirai, et rempli d'une tendre compassion, je lui dis « Mon cher bien, ma douce vie, raconte-moi un peu pourquoi tu ne me dis rien. Tu n'as pas l'habitude de me cacher tes secrets. Oh, je t'en prie, parlons un peu ensemble. Ainsi, nous pourrons exprimer la tristesse et l'amour qui nous oppressent. » Il me répondit « Ma fille, tu soulages beaucoup mes peines, mais sache que si je ne te dis rien, c'est que tu m'obliges toujours à ne pas châtier mes créatures. Tu veux t'opposer à ma justice. » Et si je ne fais pas ce que tu demandes, tu en es déçu et je souffre encore plus de ne pas t'avoir donné satisfaction. Alors pour éviter tout mécontentement, de part et d'autre, je me tais. Je lui dis, mon bon Jésus, aurais-tu oublié que tu souffres davantage après avoir exercé ta justice? C'est lorsque je te vois souffrir dans tes créatures que je suis davantage en alerte et portée à te prier de ne pas les châtier. Et quand je vois ces mêmes créatures se tourner contre toi, comme des vipères venimeuses, prêtes à te tuer,
parce qu'elle se voit en train de subir tes châtiments, ce qui d'ailleurs provoque encore plus ta justice, alors je n'ai pas l'âme à dire « Fiat voluntas tua ». Il reprit. Ma justice n'en peut plus. Je me sens blessé par tous, par les prêtres, les personnes dévotes et les laïcs, surtout à cause des abus des sacrements. Certains n'y accordent aucune importance et les méprisent même. D'autres les reçoivent simplement pour en faire un sujet de conversation, pour leur bon plaisir. Ah, comme mon cœur est torturé quand je vois les sacrements perçus comme des images en couleur ou comme des statues de pierre qui de loin semblent vivantes et animées, mais qui, de près, provoquent la désillusion. On les touche et on ne trouve que du bois, du papier, de la pierre, en somme, des objets inanimés. Pour une bonne part, voilà comment les sacrements sont perçus, des bricoles n'ayant que des apparences. Et que dire de ceux qui se trouvent plus souillés que purs après les avoir reçus? Que dire aussi de l'esprit mercantile qui règne parmi ceux qui les administrent? C'est triste à en pleurer. Ils sont prêts à tout pour de misérables sous, au point de perdre leur dignité. Et là, où il n'y a rien à gagner, ils n'ont ni main ni pied pour bouger un tant soit peu. Cet esprit mercantile habite tellement leur âme qu'il déborde à l'extérieur, à tel point que les laïcs eux-mêmes en sentent la puanteur. Ils en sont scandalisés et en arrivent à ne plus croire à leurs paroles. Ah, personne ne m'épargne. Il y en a qui m'offensent directement, et d'autres qui, disposant de moyens pour empêcher beaucoup de mal, ne s'en donnent pas la peine. Je ne sais vers qui me tourner. Je vais les châtier de façon à les rendre impuissants, ou même à les détruire complètement. Des églises resteront désertes, car il n'y aura personne pour y administrer les sacrements. Rempli de crainte, je l'interrompis en disant « Seigneur, que dis-tu? Si certains abusent des sacrements, il y a aussi plusieurs bonnes personnes qui les reçoivent dans de bonnes dispositions et qui souffriraient beaucoup si elles ne pouvaient les recevoir. » Il reprit. Leur nombre est trop restreint, et puis leur souffrance d'être privée des sacrements servira de réparation envers moi et en feront des victimes de réparation pour ceux qui en abusent. Qui pourrait dire combien je fus tourmenté par ces paroles de mon bien-aimé Jésus? J'espère que grâce à son infinie miséricorde, il va s'apaiser. 3 octobre 1899. Louisa discute avec Dame Obéissance. Les prêtres doivent se distancer des intérêts terrestres. Ce matin, mon très patient Jésus s'est une fois de plus montré affligé. Je n'osais pas lui dire un mot, de peur qu'il reprenne son discours plaintif au sujet des prêtres. C'est que l'obéissance veut que j'écrive tout, même les choses qui touchent l'exercice de la charité envers le prochain. C'est si pénible pour moi que j'ose discuter avec cette dame, même si elle peut à tout instant se transformer en une très puissante guerrière, tout équipée pour me terrasser. J'étais tellement tendue que je ne savais que faire. Il me semblait impossible d'écrire sur la charité envers le prochain à la suite des lumières que Jésus m'avait données. Je sentais mon cœur darder de 1000 aiguillons, ma langue collait à mon palais et le courage me manquait. Alors j'ai dit, « Chère dame obéissance, vous savez combien je vous aime, et à cause de cet amour, je vous donnerai volontiers ma vie, mais je sais que je ne peux le faire. Voyez à quel point mon âme est torturée. Oh, je vous en prie, ne soyez pas si impitoyable envers moi. S'il vous plaît, discutons ensemble de ce qu'il serait le plus approprié de dire. » Alors son courroux s'est un peu apaisé et elle m'a dicté ce qui était essentiel, résumant en peu de mots les différentes choses qu'il fallait dire. À certains moments, cependant, elle voulait être plus explicite et je lui disais « Il suffit qu'il comprenne le sens en réfléchissant. N'est-il pas préférable de tout dire en un mot plutôt qu'en plusieurs ?» Parfois elle cédait et parfois c'était moi qui cédais. Au total, j'ai l'impression que nous avons bien travaillé ensemble. Mais de quelle patience il faut user avec cette sainte obéissance? Elle est une vraie dame, car il suffit de lui concéder le droit de diriger pour qu'elle se transforme en un doux agneau, se sacrifiant au travail et permettant à l'âme de se reposer dans le Seigneur pendant qu'elle la protège de son œil vigilant pour que personne ne la moleste
ou interrompre son sommeil. Et pendant que l'âme sommeille, que fait cette noble dame? À la sueur de son front, elle s'empresse de compléter le travail, ce qui est stupéfiant et incite à l'aimer. Pendant que j'écris ces mots, j'entends dans mon for intérieur une voix disant « Et qu'est-ce donc l'obéissance? Que comporte-t-elle? De quoi se nourrit-elle ?» Puis Jésus me fait entendre sa voix mélodieuse en disant « Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. L'obéissance, c'est moi-même. Qui pourrait dire combien j'étais étonnée et ravie d'entendre ces paroles de mon bien-aimé Jésus ? Ô sainte obéissance, comme tu es incompréhensible. Je me prosterne à tes pieds et je t'adore. Je te prie d'être mon guide, mon maître et ma lumière sur le chemin ardu de la vie pour que je puisse atteindre avec certitude le port éternel. Je m'arrête ici en m'efforçant de ne plus penser à cette vertu, car autrement, je ne pourrais cesser d'en parler. La lumière que je reçois la concernant est telle que je pourrais écrire sans fin à son sujet, mais autre chose m'appelle. Je reprends donc où j'en étais. J'ai donc vu mon doux Jésus affligé, et me souvenant que l'obéissance m'avait dit de prier de tout mon cœur pour une certaine personne, je l'ai recommandé au Seigneur. Par la suite, Jésus m'a dit « Ma fille, puisse toutes ses œuvres ne briller que par ses vertus. Je lui recommande surtout de ne pas se mêler de choses d'intérêt familial. S'il possède des biens, qu'il les donne. Il devrait laisser faire les choses par ceux à qui elles reviennent, sans s'embourber dans les choses de la terre. Autrement, il fera face aux problèmes des autres, et ayant voulu s'en mêler, tout leur poids tombera sur ses épaules. À cause de ma miséricorde, j'ai permis qu'ils ne deviennent pas plus prospères, et au contraire plus pauvres, afin de leur apprendre qu'il est inconvénient qu'un prêtre se mêle des choses terrestres. D'autre part, et ceci est de ma bouche, tant qu'ils ne toucheront pas aux choses terrestres, les ministres de mon sanctuaire ne manqueront jamais de leur pain quotidien. Quant à cela, si je leur avais permis de s'enrichir, ils auraient souillé leur cœur et n'auraient eu d'égard, ni pour Dieu, ni pour leurs obligations. Étant maintenant perturbés et fatigués de leur état, ils voudraient en secouer le joug, mais ils ne le peuvent pas. C'est là leur punition, pour s'être mêlés de choses qui n'étaient pas de leur ressort. Ensuite, j'ai recommandé à Jésus une personne malade. Alors Jésus m'a montré les plaies que cette personne lui avait infligées. Je l'ai supplié de me laisser réparer pour elle, et il m'a semblé que les plaies de Jésus guérissaient. Ensuite, rempli de bienveillance, il m'a dit « Ma fille, aujourd'hui tu as rempli l'office d'un habile médecin, car tu as non seulement tenté d'appliquer un baume sur les plaies que ce malade m'a infligées, mais aussi de les guérir. Ainsi, je me sens soulagée et apaisée. J'ai compris qu'en priant pour un malade, on remplit le rôle de médecin pour notre Seigneur, qui souffre dans ses êtres créés à son image. » 7 octobre 1899. Jésus indigné à cause des créatures. L'état de victime atténue les châtiments. Ce matin, mon doux Jésus ne venait pas, et j'ai dû l'attendre patiemment. Je lui disais intérieurement, « Mon cher Jésus, viens, ne me fais pas attendre plus longtemps. Je ne t'ai pas vu hier soir, et maintenant, il se fait tard, et tu n'arrives toujours pas. Vois avec quelle patience je t'attends. Oh, je t'en prie, n'attends pas que je perde patience, car c'est toi qui en seras responsable. Viens, je n'en peux plus. » Pendant que j'entretenais ces pensées, et d'autres aussi sottes, mon unique bien vint, mais à mon grand désarroi, il semblait presque indigné à cause des créatures. Je lui dis immédiatement, « Mon bon Jésus, je te supplie de faire la paix avec tes créatures. » Il me répondit, « Fille, je ne le peux pas.
Je suis comme un roi qui voudrait entrer dans une maison remplie de détritus et de pourriture. En tant que roi, il a le droit d'entrer, et personne ne peut l'en empêcher. Il pourrait nettoyer cette maison de ses propres mains, ce dont il a le désir, mais il ne le fait pas, parce que cette besogne n'est pas digne de son statut de roi. Tant que la maison ne sera pas nettoyée par quelqu'un d'autre, il ne pourra entrer. Il en va ainsi pour moi. Je suis un roi qui peut et qui veut entrer dans les cœurs. Mais il me faut au préalable la volonté des créatures. Elles doivent faire disparaître la pourriture de leurs péchés avant que je puisse entrer et faire la paix avec elles. Il n'est pas digne pour ma royauté de faire cette besogne moi-même. Si elles ne le font pas, je leur enverrai même des châtiments. Le feu des tribulations les inondera de tous côtés, afin qu'elles se souviennent que Dieu existe et qu'il est même le seul qui puisse les aider et les libérer. L'interrompant, je lui dis, « Seigneur, si tu te proposes d'envoyer des châtiments, je veux te rejoindre là-haut. Je ne veux plus rester sur cette terre. Comment mon pauvre cœur pourrait-il tenir le coup en voyant souffrir tes créatures ?» D'un ton conciliant, il me répondit, « Si tu me rejoins là-haut, où sera ma résidence sur la terre ? Pour le moment, songeons à rester ensemble ici-bas, car nous aurons beaucoup de temps ensemble au ciel, toute l'éternité. Et puis, as-tu oublié ta mission, la mission d'être ma mère sur la terre ? Pendant que je châtirai les créatures, je viendrai me réfugier en toi. » Je repris, « Ah, Seigneur, à quoi donc aura servi mon état de victime depuis tant d'années ? Quel bienfait les gens en auront-ils tiré ? Tu as pourtant bien dit que c'était pour que ton peuple soit épargné. De surcroît, tu me montres ni plus ni moins qu'au lieu d'être déjà arrivé, ces châtiments arriveront plus tard. » Jésus poursuivit. « Ma fille, ne dis pas cela. J'ai été indulgent à cause de toi, et les terribles châtiments prévus pour faire rage très longtemps seront écourtés. N'est-ce pas une bonne chose que les châtiments, qui devraient se prolonger pendant beaucoup d'années, ne durent que quelques années ? De plus, au cours des dernières années, avec les guerres et les morts subites, les gens n'auraient normalement pas eu le temps de se convertir. Mais ils l'ont fait et ont été sauvés. N'est-ce pas là un grand bien ? Pour l'instant, il n'est pas nécessaire que je te fasse connaître les raisons de ton état, pour toi et pour le peuple. Mais je le ferai quand tu seras au ciel. Au jour du jugement, je manifesterai ces raisons à toutes les nations. Ne me parle donc plus ainsi. 14 octobre 1899. L'espérance est une mère pacifique et compatissante. Ce matin, je me sentais quelque peu troublée et complètement anéantie. J'avais l'impression que le Seigneur voulait m'éloigner de lui. Quelle souffrance ! Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus vint, tenant une petite corde à la main. Il en frappa mon cœur 3 fois en disant « Paix, 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 ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix et que la justice est son éthique ? Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Mais quand tu verras que l'espérance défend certains droits de justice absolument indispensable et que tenter de t'y opposer serait un affront pour elle, alors ajuste-toi et soumets-toi à la justice. » Terrifié plus que jamais d'avoir à me soumettre à la justice, je dis à Jésus, « Ah Seigneur, comment puis-je faire cela ? Ça me paraît impossible. La seule pensée que tu dois châtier tes créatures m'est intolérable, car elles sont tes images. » Si au moins elle ne t'appartenait pas, ce qui me torture le plus, c'est de te voir les châtier toi-même, car ces châtiments s'effectuent sur tes propres membres, et ainsi tu en souffres beaucoup toi-même. Dis-moi, mon seul et unique bien, comment mon pauvre cœur pourra-t-il te voir ainsi souffrir, frappé par toi-même ?
si les créatures te font souffrir, ce ne sont que des créatures, et de ce fait, c'est un peu plus tolérable. Mais quand tes souffrances proviennent de toi-même, je trouve cela trop difficile, et je ne peux le prendre. Par conséquent, je ne peux me conformer ni me soumettre. Rempli de pitié et très touché par mes paroles, Jésus prit un air affligé et bienveillant et me dit « Ma fille, tu as raison de dire que je serai frappée dans mes propres membres, et en t'écoutant parler, je me sens rempli de compassion et de miséricorde, et mon cœur déborde de tendresse. Mais crois-moi, les châtiments sont nécessaires. Si tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, plus tard tu me verras les frapper beaucoup plus fortement, car elles vont m'offenser encore plus. N'en seras-tu pas alors beaucoup plus affligée? Par conséquent, conforme-toi, sans quoi tu m'obligeras à ne plus rien te dire, pour ne pas te voir souffrir, et tu me priveras de la consolation de converser avec toi. Ah oui, tu me réduiras au silence, sans personne à qui confier mes souffrances. » Quelle amertume j'ai ressentie en entendant ces paroles. Voulant me distraire de mon affliction, Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant « Ma fille, ne sois pas troublée. L'espérance est paix, et comme je demeure parfaitement en paix lorsque j'exerce ma justice, tu dois aussi demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. L'âme remplie d'espérance, qui s'attriste et se trouble, ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant « De quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? Ah, je meurs de faim. Je suis si malheureuse. Je deviens de plus en plus pauvre et misérable, et je vais en mourir. » Supposons de plus que cette personne passe ses journées dans la malpropreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés, elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Supposons encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse de la prendre, et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et continue de se lamenter et de s'apitoyer sur son triste sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la raison. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. Voici comment. Dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, abandonner toutes ses richesses et aller dans des pays étrangers, au milieu de peuples barbares, où personne ne daignerait lui donner un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais où situer la cause de cette situation lamentable? Nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Je lui dis, « Ah Seigneur, comment une âme peut-elle demeurer toujours en paix en vivant dans l'espérance? Si une âme commet une faute, comment peut-elle être en paix? » Il me répondit, « Si l'âme pêche, elle a déjà quitté le royaume de l'espérance, car le péché et l'espérance ne peuvent cohabiter. Le bon sens dit que nous devons préserver et développer ce qui nous appartient. Existe-t-il un homme qui se rend sur ses propriétés et brûle tout ce qu'il possède, qui ne garde pas jalousement ce qui lui appartient? Aucun, je crois. Ainsi, l'âme, qui vit dans l'espérance, offense cette vertu quand elle pêche et en quelque sorte brûle ses biens. Elle se trouve dans le même pétrin que cette personne qui abandonne ses biens et s'exile dans un pays étranger. Et donc, en quittant l'espérance, qui n'est autre que Jésus lui-même, l'âme s'en va chez les barbares, c'est-à-dire chez les démons, lesquels la privent de tout rafraîchissement et la nourrissent du poison du péché. Mais que fait l'espérance, cette mère apaisante? Reste-t-elle indifférente pendant que l'âme s'éloigne d'elle? Oh non! Elle crie, prie, appelle l'âme avec sa voix la plus tendre. Elle va au-devant de l'âme et n'est satisfaite que lorsqu'elle la ramène dans son royaume. Mon doux Jésus ajouta, « La nature de l'espérance, c'est la paix. Ce qu'elle est par nature, l'âme qui habite en son sein, l'acquiert par grâce. » Pendant qu'il me transmettait ces paroles, par lumière intellectuelle,
Il m'a montré ce que l'espérance fait pour l'homme en choisissant l'image d'une mère. Quelle scène émouvante! Si tous pouvaient voir cette mère, même les cœurs les plus endurcis pleureraient de contrition et apprendraient à l'aimer au point de ne plus vouloir quitter ses genoux maternels. Du mieux que je peux, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris de cette image. L'homme vivait enchaîné, esclave du démon, et condamné à la mort éternelle, sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Tout était perdu et sa destinée était ruinée. Une mère vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, partageant avec eux un bonheur exquis. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite. Elle voulait autour d'elle tous ses enfants, ses chères images, les plus belles créatures sorties des mains de Dieu. Du haut du ciel, ses yeux étaient fixés sur l'humanité perdue. Elle s'ingéniait à trouver le moyen de sauver ses enfants bien-aimés, et consciente qu'ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes, même au prix des plus grands sacrifices, à cause de leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu. Que fit cette mère? Voyant que le seul moyen de sauver ses enfants était de donner sa vie pour eux en épousant leurs souffrances et leurs misères, et en faisant tout ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes, elle se présenta en larmes devant la divinité, et de sa plus douce voix, et avec les motifs les plus convaincants que lui dictait son cœur magnanime, elle lui dit « Je demande grâce pour mes enfants perdus. Je ne puis supporter de les voir séparés de moi. Je veux les sauver à tout prix. Et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de donner ma vie pour eux, je veux le faire, pourvu qu'ils retrouvent la leur. Qu'attends-tu d'eux? La réparation? Je ferai réparation pour eux. La gloire et l'honneur? Je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Des actions de grâce? Je te rendrai grâce pour eux. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. » Émue par les larmes et l'amour de cette mère compatissante, la divinité se laissa convaincre et se sentit portée à aimer ses enfants. Ensemble, les personnes divines se penchèrent sur leur malheur et acceptèrent le sacrifice de cette mère qui donnera pleine satisfaction pour les racheter. Dès que le décret fut signé, elle quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre. Laissant derrière elle ses vêtements royaux, elle se revêtit des misères humaines comme une misérable esclave, et elle vécut dans la plus extrême pauvreté, dans des souffrances inouïes, au milieu d'êtres souvent insupportables. Elle ne fit que supplier et intercéder pour ses enfants. Cependant, ô stupéfaction, au lieu d'accueillir à bras ouverts celle qui venait les sauver, ses enfants firent tout le contraire. Personne ne voulut l'accueillir, ni la reconnaître. Au contraire, ils la laissèrent errer, la méprisèrent, et complétèrent pour la faire mourir. Que fit cette tendre mère, en se voyant ainsi rejetée par ses enfants si ingrats? A-t-elle renoncé? Nullement. Au contraire, son amour pour eux devint plus ardent et elle courut d'un endroit à l'autre pour les rassembler auprès d'elle. Que d'efforts elle déploya! Elle n'arrêtait jamais, toujours préoccupée par le salut de ses enfants. Elle pourvoyait à tous leurs besoins, remédiait à tous leurs maux passés, présents et futurs. En somme, elle faisait absolument tout concourir pour le bien de ses enfants. Et que firent ceux-ci? Se repentirent-ils? Pas du tout. Ils la regardèrent d'un air menaçant, la déshonorèrent par de viles calomnies, l'accablèrent d'opprobre, la flagellèrent jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une plaie vive. Enfin, ils la firent mourir de la mort la plus infâme, au milieu de spasmes et de douleurs extrêmes. Et que fit cette mère au milieu de tant de souffrances? Allait-elle haïr ses enfants, si indisciplinés et arrogants? Pas du tout. Elle les aima encore plus passionnément, offrit ses souffrances pour leur salut, et en rendant son dernier souffle, leur murmura un dernier mot de paix et de pardon. Ô mère toute belle, ô chère espérance, comme tu es admirable, je t'aime tant, je t'en supplie, garde-moi toujours sur tes genoux, et je serai la personne la plus heureuse du monde. Même si je suis décidée de ne plus parler de l'espérance, une voix résonne en moi et me dit « L'espérance contient tous les biens, présents et futurs, et l'âme qui vit et grandit sur ses genoux obtiendra tout. Que désire une âme? La gloire? Les honneurs?
l'espérance lui donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre, et elle sera glorifiée éternellement au ciel. Désire-t-elle les richesses? Cette mère est extrêmement riche, et en donnant tous ses biens à ses enfants, ses richesses ne diminuent aucunement. De surcroît, ses richesses sont éternelles et non pas éphémères. Désire-t-elle des plaisirs, des satisfactions? L'espérance possède tous les plaisirs et toutes les satisfactions qui se trouvent au ciel et sur la terre. Toute personne qui se nourrit de son sein peut s'en délecter à satiété. De plus, comme elle est le maître des maîtres, toute âme qui se met à son école apprendra la science de la vraie sainteté. En somme, l'espérance nous donne tout. Si quelqu'un est faible, elle le fortifie. Pour ceux qui sont en état de péché, elle a institué les sacrements, parmi lesquels se trouve le bain où l'on peut laver ses péchés. Si nous avons faim ou soif, cette mère compatissante nous donne la plus alléchante et délicieuse nourriture, sa chair délicate et son sang très précieux. Que peut faire de plus cette mère pacifique? Qui d'autre lui ressemble? Ah, elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. L'espérance s'est unie à la foi et à la charité et a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Mais qui est cette mère? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. 16 octobre 1899. Jésus parle de châtiment. Ce matin, mon doux Jésus n'arrivait pas. Je ne l'avais pas vu depuis la nuit précédente, quand soudain il se montra sous une apparence suscitant à la fois la pitié et la peur. Il semblait vouloir se cacher, afin de ne pas voir les châtiments dont il allait frapper les gens, ni les moyens qu'il allait employer pour les détruire. Oh mon Dieu, quelle scène navrante! Pendant que longuement j'attendais Jésus, je me disais intérieurement, « Pourquoi ne vient-il pas? Serait-ce parce que je ne me conforme pas à la justice? Alors comment faire? C'est presque impossible pour moi de dire « Fiat voluntas tua ». Je me disais aussi, « Il ne vient pas parce que le confesseur ne l'envoie pas. » Pendant que j'entretenais de telles pensées, je l'ai aperçu comme une ombre. Il me dit, « N'aie pas peur, l'autorité des prêtres est limitée. Dans la mesure où ils sont prêts à me prier de venir à toi et à t'offrir comme victime pour que tu souffres, afin que j'épargne le peuple, je vais les épargner eux-mêmes lorsque j'enverrai les châtiments. Par contre, s'ils ne se montrent nullement intéressés, à mon tour, je n'aurai aucun égard pour eux. » Ensuite, il disparut, me laissant dans une mer d'affliction et de larmes. 21 octobre 1899. Les biens terrestres doivent servir à la sanctification de l'homme, et non pas pour qu'il s'en fasse des idoles. Après des jours très amers de privation, je me sentais épuisé. Cependant, j'offrais continuellement mes souffrances en disant à Jésus, « Seigneur, tu sais ce qu'il m'en coûte d'être privé de toi, mais je me résigne à ta très sainte volonté. Je t'offre cette souffrance comme preuve de mon amour et aussi pour t'apaiser. Je te la présente comme messagère de louange et de réparation pour moi et pour toutes tes créatures. C'est tout ce que je possède et je te l'offre, étant persuadé que tu acceptes les sacrifices de bonne volonté, offerts sans réserve. Mais je t'en prie, viens, car je n'en peux plus. Je suis souvent tenté de me conformer à la justice, croyant que mes refus sont la cause de son absence. En fait, Jésus m'a dit dernièrement que si je ne me conformais pas, il serait obligé de ne plus venir et de ne plus rien me dire pour éviter de me faire de la peine. Mais je n'ai pas le cœur à le faire, d'autant plus que l'obéissance ne l'exige pas. Au milieu de mon amertume, une lumière attira mon regard. Ensuite, une voix me souffla à l'oreille. Dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde, ils perdent l'estime des biens éternels. Je leur ai donné des richesses pour qu'elles servent à leur sanctification, mais ils s'en sont servis pour m'offenser et pour s'en faire des idoles. Alors je vais les détruire, eux et leurs richesses. Ensuite, j'ai vu mon très cher Jésus. Il était tellement souffrant et indigné à cause des hommes que c'était pénible à voir. Je lui dis, « Seigneur, je t'offre tes plaies, ton sang et l'usage très saint que tu as fait de tes sens durant ta vie mortelle, en réparation des offenses qu'on te fait
plus particulièrement du mauvais usage que les créatures font de leur sens. D'un ton grave, il me dit « Sais-tu ce que sont devenus les sens des créatures ? Ils sont comme des rugissements d'animaux féroces qui empêchent les hommes de s'approcher. La pourriture et la multitude des péchés qui jaillissent de leurs sens m'obligent à les fuir. » Je lui dis « Ah Seigneur, comme tu sembles indigné, si tu veux continuer à leur envoyer des châtiments, alors je veux me joindre à toi. Autrement, je désire quitter cet état. Pourquoi y rester, puisque je ne peux plus m'offrir comme victime pour sauver les hommes ?» Alors d'un ton irrité, il me dit « Tu veux les deux extrêmes, soit que tu exiges que je ne fasse rien, ou que tu veuilles te joindre à moi. N'es-tu pas satisfaite que les hommes aient été épargnés en partie ? Crois-tu que la ville de Corato est la meilleure et celle qui m'offense le moins, que je l'ai épargnée de préférence à tant d'autres ? Est-ce là une chose insignifiante ? Donc sois contente, calme-toi, et pendant que je châtie les gens, accompagne-moi avec tes désirs et tes souffrances, en priant pour que ces châtiments amènent les gens à se convertir. » 22 octobre 1899. Le chemin de la croix est parsemé d'étoiles. Jésus continue de se manifester en arborant un air affligé. En arrivant, il s'est jeté dans mes bras, complètement épuisé et en quête de consolation. Il me partagea une partie de ses souffrances et me dit « Ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles, et pour ceux qui l'empruntent, ces étoiles se changent en soleil très lumineux. Imagine le bonheur éternel de l'âme qui sera entourée de ces soleils. La récompense que je donne à la croix est si grande qu'on ne peut la mesurer. Cela est presque inconcevable pour l'esprit humain, car porter des croix n'a rien d'humain. Tout y est divin. » 24 octobre 1899. Les châtiments ont pour cause l'amour de Dieu pour ses créatures. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps au milieu d'une foule. Il semblait regarder les créatures avec compassion, et j'avais l'impression que les châtiments qu'il leur donnait découlaient de sa miséricorde infinie et jaillissaient de son cœur. Se tournant vers moi, il me dit « Ma fille, la divinité se nourrit de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. L'homme, quant à lui, est un produit de cet amour. Il est, pour ainsi dire, une particule de leur nourriture. Mais cette particule est devenue amère, car en s'éloignant de Dieu, beaucoup d'hommes se sont livrés en pâture aux flammes infernales, alimentées par la haine implacable des démons, qui sont les principaux ennemis de Dieu et des hommes. » Il ajouta « La perte des âmes, voilà la raison principale de ma profonde tristesse, car les âmes m'appartiennent. D'autre part, ce qui m'oblige à châtier les hommes, c'est l'amour infini que j'ai pour eux et qui désire que tous soient sauvés. » Je lui dis « Ah Seigneur, il me semble que tu ne parles que de châtiment. Dans ta toute-puissance, tu as sans doute d'autres moyens pour sauver les âmes. Quoi qu'il en soit, si j'étais certaine que toutes les souffrances retomberaient sur eux et que tu n'en souffrirais pas toi-même, je m'y résignerais. Mais je vois que tu souffres beaucoup à cause de ces châtiments. Qu'arrivera-t-il si tu en déverses encore plus ? » Il me répondit « Même si j'en souffre, l'amour me pousse à envoyer des tribulations encore plus lourdes, car pour amener les hommes à entrer en eux-mêmes, il n'y a pas de plus puissant moyen que de les briser. Il s'avère que les autres moyens les rendent encore plus arrogants. Par conséquent, conforme-toi à ma justice. Je vois bien que ton amour pour moi te pousse à refuser de te conformer et que tu n'as pas le cœur de me voir souffrir. » Ma mère m'aimait beaucoup plus que toutes les autres créatures. Son amour était sans égal. Cependant, pour sauver les âmes, elle s'est conformée à la justice et résignée à me voir beaucoup souffrir. Si ma mère a fait cela, ne pourrais-tu pas le faire toi aussi ? Pendant que Jésus parlait ainsi, j'ai senti ma volonté se rapprocher de la sienne, au point que je ne pouvais presque plus m'empêcher de me conformer à sa justice. Je ne savais que dire, tellement j'étais convaincue. Mais je n'ai quand même pas manifesté mon adhésion à Jésus. Il disparut et je suis demeurée dans le doute.
à savoir si j'allais oui ou non me conformer. 25 octobre 1899. L'écho de l'amour de Dieu et celui de la gratitude des créatures. Mon très doux Jésus se manifeste presque toujours de la même façon. Ce matin, il m'a dit « Ma fille, mon amour envers les créatures est si grand qu'il résonne comme un écho dans les sphères célestes, remplit l'atmosphère et se diffuse sur toute la terre. Comment les créatures répondent-elles à cet écho d'amour ? Ah, elles me répondent par un écho empoisonné, rempli de toutes sortes de péchés, un écho quasi mortel, propre à me blesser. Mais je vais réduire la population de la terre, afin que cet écho empoisonné ne vienne plus me percer les oreilles. » Je lui dis « Ah, que dis-tu, Seigneur ?» Il reprit « J'agis comme un médecin compatissant qui emploie des remèdes radicaux pour soigner ses enfants couverts de plaies. Que fait ce père médecin qui aime ses enfants plus que sa propre vie ? Laissera-t-il ses plaies devenir gangréneuses ? Laissera-t-il mourir ses enfants plutôt que de les soigner, sous prétexte qu'il pourrait souffrir s'il utilisait le feu ou le scalpel ? Jamais ! Même si pour lui, c'est comme s'il appliquait ses traitements sur son propre corps, il n'hésite pas à couper et à ouvrir les chairs, puis à y appliquer le contrepoison ou le feu afin d'empêcher qu'elles s'infectent davantage. S'il arrive que certains de ses enfants meurent au cours de l'intervention, ce n'est pas ce que le Père veut. Il veut les guérir. Ainsi en est-il pour moi. Je blesse mes enfants afin de les guérir. Je les détruis afin de les ressusciter. Si un grand nombre d'entre eux se perdent, là n'est pas ma volonté. C'est la conséquence de leur méchanceté et de leur volonté obstinée. C'est à cause de cet écho empoisonné qu'ils répandent jusqu'à ce qu'ils finissent par s'autodétruire. Je repris. Dis-moi, mon unique bien, comment puis-je adoucir pour toi cet écho empoisonné qui t'afflige tant ? Il répondit. La seule façon, c'est d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire, que tous tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier, que chacune de tes pensées, de tes paroles, etc., soit remplie d'amour pour moi. Ainsi ton écho s'élèvera jusqu'à mon trône et sera une douce musique pour mon oreille. 28 octobre 1899. Qui suis-je et qui es-tu ? Les péchés conduisent à l'amour. Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis sentie tout anéantie. Il m'a dit « Qui suis-je et qui es-tu ? » Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu de vers et de bien d'autres choses horribles. Oh mon Dieu, quel spectacle affreux ! Mon âme voulait fuir le regard du Dieu trois fois saint, mais il me retint avec ses autres mots. Quel est mon amour pour toi, et comment m'aimes-tu en retour ? Alors qu'à la suite de la première question, je fus effrayée et voulais fuir, après la seconde, quel est mon amour pour toi ? Je me suis sentie immergée, entourée de tous côtés par son amour, prenant conscience que mon existence en résultait et que si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Je nageais en lui et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer, qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises, mais il serait trop long de tout dire. Ensuite Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais toute remplie de péchés, et dans mon fort intérieur, j'implorais son pardon et sa miséricorde. Peu de temps après, il revint et me dit « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine,
qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum, et les a séchés avec ses cheveux. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit, et elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies, avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer, et en voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu si bon monte en elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. Ce sont ses cheveux qui la lient à moi, comme des chaînes d'or. 29 octobre 1899. La formation de la demeure de Jésus dans l'âme. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès son arrivée, il m'a prise dans ses bras et m'a transportée hors de mon corps. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses, surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et à volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Alors de tout mon cœur, je lui ai dit, « Mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être vêtu de toi, pour vivre en toi et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. » Plein de bienveillance, il me répondit, « Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre, et avec elle, nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité, et plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits des pierres de la mortification et cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite viennent les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. Dans la souffrance, ils trouvèrent la force. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir. Et à ce point de vue, ils étaient des athlètes. Une âme sans désir est presque morte. Tout l'ennui, l'agace et la rend maussade, y compris les vertus. Elle n'aime absolument rien et marche dans la voie du bien en se traînant. Pour l'âme remplie de désir, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse. Tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses, les plus coûteuses de ma vie, furent formées par la souffrance pure. Puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien, il l'investit de toutes les vertus, il la parfume avec les plus suaves odeurs. De belles fleurs y dégagent leur fragrance. Il y fait résonner une mélodie céleste, des plus agréables. On y respire un air de paradis. J'ai omis de dire qu'on doit s'assurer que la paix domestique règne, c'est-à-dire qu'on y observe le recueillement et le silence intérieur des sens. Ensuite, je suis demeurée dans les bras de notre Seigneur et je fus entièrement dépouillée. Ayant vu que le confesseur était présent, Jésus m'a dit, mais j'ai cru qu'il s'amusait. « Ma fille, tu t'es dépouillée de tout ?
Et tu sais que lorsqu'une âme est ainsi dépouillée, elle a besoin de quelqu'un pour la revêtir, la nourrir et la loger? Où veux-tu habiter? Dans les bras du confesseur ou dans les miens? » En disant cela, il me plaça dans les bras du confesseur. J'ai commencé par résister, mais il m'a dit que c'était sa volonté. Après une courte discussion, il m'a dit « Ne crains pas, je te tiens dans mes bras. » Alors ce fut la paix. 30 octobre 1899, menace de châtiment pour Rome. Ce matin, mon bienveillant Jésus est arrivé tout affligé, et les premiers mots qu'il m'a adressés furent « Pauvre Rome, quelle destruction tu connaîtras. En te regardant, je pleure. » Il disait cela avec une telle tendresse que j'en fus tout ému, mais je ne savais pas s'il s'agissait seulement des habitants de cette ville ou de ses édifices aussi. Comme j'avais reçu l'ordre de ne pas me conformer à la justice, mais de prier, je dis à Jésus, « Mon bien-aimé Jésus, lorsqu'il s'agit de châtiment, ce n'est pas le temps de discuter, mais uniquement de prier. » Alors je me suis mise à prier, à baiser ses plaies et à faire des actes de réparation. Pendant que je priais, il me disait de temps à autre, « Ma fille, ne me violente pas. En faisant comme ça, tu emploies la violence contre moi. Donc, calme-toi. » Je lui répondis, « Seigneur, c'est l'obéissance qui le veut ainsi, et non pas moi. » Il ajouta, « La rivière d'iniquité est tellement grande qu'elle fait sérieusement obstacle au salut des âmes. Seule la prière et mes plaies peuvent empêcher cette rivière impétueuse de les engloutir tous. »